Bonsoir, cher compatriote, bonsoir. Bonsoir, cher compatriote. Connectez-vous, cher compatriote. Alors, chers compatriotes, la vidéo de ce soir, vu l'urgence, chers compatriotes, l'urgence de certaines informations que j'ai reçues, j'ai trouvé mieux de pouvoir réagir très rapidement pour pouvoir vous informer. Alors, chers compatriotes, vous-même, vous avez vu que Monsieur Sassou était bel et bien arrivé ici en France, reçu par Monsieur Macron. Alors, bon nombre de Congolais quand même qui se posent des questions par rapport à la réception de Monsieur Sassou à l'Élysée. Donc, chers compatriotes, de quelques informations que j'ai reçues, j'ai trouvé mieux, chers compatriotes, de vous tenir informés par rapport à cela. Donc, connectez-vous, chers compatriotes. Je vais essayer d'expliquer très rapidement suite à aux informations que j'ai en ma possession. En deuxième lieu, je vais m'adresser à bon nombre de nos citoyens qui sont un peu dessus. Dessus parce que, pourquoi? Parce que, ben, Monsieur Macron a reçu Sassou Nguesso à l'Élysée. Donc voilà, il faut dire la vérité. Il y a bon nombre de Congolais qui sont un peu dessus. Pourquoi que la France continue encore à soutenir de tels personnages? Pourquoi la France reçoit encore des dictateurs sur son sol? Pourquoi la France déroule encore le tapis rouge pour ces dictateurs? Donc il y a des gens quand même qui sont un peu dessus par rapport à l'attitude de la France. Donc cela aussi est de notre devoir de pouvoir rassurer un peu certaines personnes qui sont dessus. Vous avez raison à vous poser des questions, mais il est aussi de nous autres là, de notre devoir de vous tenir un peu informés. Alors, chers compatriotes, oui, Sassou était arrivé sur la place de Paris. Il est encore là. C'est pour cela que, malgré l'heure, qui est quand même un peu 22 heures passées, j'ai voulu réagir pour que le message puisse bien parvenir à Sassou Nguesso par rapport à ce que je vais dire au cours de cette vidéo. J'essaierai d'être vraiment bref, j'essaierai, mais il faut que je m'adresse à Sassou Nguesso. Que le message, et comme il a bien Sassou Nguesso place à Ali, n'a bâtonné au Agnus toi à Menou. Pour que ceux qui soutiennent aussi Sassou Nguesso puissent aussi être au courant de ce que je vais dire au cours de cette vidéo. Donc, vidéo comme d'habitude, c'est pour s'adresser à Sassou et à son entourage. Et pour informer le peuple congolais, Makambo Oyo Bango. D'abord, pour informer le peuple congolais, nombre de délégations et délégations à Bango, Makamounoussou, Nengeleki, de Brazzaville, jusqu'ici en France.
Makambo va vivre. Donc, je vais m'adresser à Sassou et à son entourage. Et je vais informer le peuple. Peuple congolais, chers compatriotes, François Kamouké Zozaka, bête mesure bois la bête. Bête mesure bois la bête, c'est pour cela que même dans la heure à Fossiaï, bête mesure bois la toujours bois. Sans nous avoir informé le peuple, sans nous avoir zozé le peuple, ma mambou, il y a un taka, il y a quand même des abvés. Le Congo qui boit la bête nous, le Congo qui boit le veille, moutou moussi. Ni la famille et Moutina. Le Congo, c'est un bien commun. Et nous avons le droit de dire quelque chose quand cela se passe mal dans notre pays. Ne soyez pas dessus parce que Sassou est là et il a été reçu. Cela fait tellement mal à bon nombre des Congolais de voir que Sassou est là. Oui. Cela fait pleurer même certaines mamans. Je dis bien, je pèse bien mes mots. Cela fait pleurer même certaines mamans. Donc, tant que ça se fait quoi? Ben, il y a quelqu'un qui a dit là. Mais, Wafoso, ben, me recevoir Diakiyadi. Wafoso, Faso Yaï. Oui, bon nombre de gens s'interrogent, se posent des questions. Et il y a quelqu'un qui a dit passe dans le bâtiment de Bantekaka. Faso quand vous avez savé le peuple. Si bêtement, si bêtement, tu es enlevé, bêtement, tu es enlevé. Vraiment, sincèrement, Faso quand vous avez dit que vous avez dit que vous on avait un pays, le Congo-Brazzaville. Surtout nous qui sommes à l'extérieur. Ne voyons pas dans le sens que parce que nous sommes ici à l'extérieur, où nous avons, disons, un peu de moyens pour vivre. Oui. Tu peux t'acheter en gros ce que dont tu as besoin. Même si tu es soumvé avion, même si tu es soumvé peut-être la bimaka qui est talou, mais au moins, tu es soumvé de pingue, tu es soumvé boîte à sardines, tu es soumvé à bimanga, tu es soumvé à ban aussi, tu es congélateur, tu es une flousse à congélateur. Tu es une flousse à congélateur, tu es une zone. Ça, nous, on peut se le permettre. Nous ici, on peut se le permettre. Mais il ne faut pas mettre Zima. Que Bête n'a boit. Bête 4K place. Et que côté Bête 4K, car il boit la bête le Congo. Ni côté Bête 4K. Bête Zima veillant. Quand tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Quand tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Homme que ça l'avait politique. Homme que je l'avais politique. Bah, moi, politique, il y a mes talvés où? Il y a mes talvés. D'accord. Mais au moment où ils vont prendre des décisions, au moment où ils vont décider à ta place, toi, tu seras chez toi pour bouder. Oui, mais il y a boudé sa maïti. Puisque je suis là, il y a un lavé politique. Il y a un lavé politique. Mais il y a un boudé sa maïti. Donc, vidéo yaï. C'est pour s'adresser à Sassou Nguesso. Donc, le titre de la vidéo, c'est Un idiot à Paris. Le titre de la vidéo, il y a Un idiot à Paris. Donc, au cours de cette vidéo, je vous explique. Je dis bien, titre de la vidéo, il y a tout là. Après, et après la vidéo, il y a titre de la tout là, Un idiot à Paris. Donc, expliquez bien, non. Dans moi, un homme comme ça, ben ça. Salut, grand frère Guy Malonga. Ça va par la grâce de Dieu. Ça va, merci. Alors, je poursuis, chers compatriotes. On est souvent nombreux à s'indigner. Maman, vous voulez que le temps la bête. Bah, il me savait, bah, yao, je vous informe, avant-hier ou quel jour, bah, il faut la boîte. Parce qu'elle va laver un masque. Il y a un jeune qui avait été abattu, froidement. Avant le lycéen qui a trouvé aussi la mort. Avant le lycéen qu'on a encore assassiné, il y a eu un lycéen qu'on a assassiné. Mais avant le lycéen, il y avait eu encore un autre qu'on avait tué. Je crois vers Makele, Keleba Congo ou Bifuchi. Parce qu'il n'avait pas le port de masque.
parce qu'il n'avait pas son cache-nez, bah tiré qu'il y en ait tout mort sur place. À quel point presque la tête avait explosé. La tête avait explosé. Premier point. Deuxième point, Kakani, nous tu ne pas pouvoir. Le lycée là, il ne va pas pouvoir. Vous savez c'est pourquoi ma bouine soudain la taraïna. Rien que pour un problème de masque. Un problème de masque. Qu'on puisse tirer quelqu'un à bout portant. Rien que parce qu'il n'avait pas le masque. Qu'on puisse tirer quelqu'un à bout portant. Mais chers compatriotes, je vais vous rappeler, je vais un peu réfléchir la mémoire. Pendant ma campagne là-bas, il y a le jour de la campagne élection présidentielle. Mais dans le nord du Congo, nous avons vu des gens qui se promènent sans masque. Pourquoi il n'y a jamais eu ce que eux ils appellent bavure. Bavure policière. Je peux aller prendre le dictionnaire, je peux vous lire ce qu'on appelle bavure policière. Bavure. Il y a une différence. Bavure policière, c'est ce qu'eux ils ont dit. Mais esa bavure policière, ça n'a rien à voir. Ma bavure policière même était très rare qu'on a tout. Ma policière se tombe dans la parce que tout simplement, ben, le policier n'a pas eu à respecter un peu l'ordre donné. Donc, disons, malgré les consignes, le policier, ben, pris de panique ou de nervosité, le policier fait face, tire sur un citoyen. Et le policier peut dire oui parce que tout simplement, j'ai été soit agressé ou j'ai été soit attaqué par nervosité, j'ai fait usage de mon arme. Bavure policière. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, c'est le mot d'ordre qui avait été donné. Et cela ne se passe que dans le sud du Congo. Et quand les gens vous expliquent les choses un peu dans ce sens-là, c'est pour vous dire, si on doit compter les nombres de morts qu'il y a déjà eu au Congo-Brazzaville, concernant le non-port de masque, donc, cache-nez, il n'y a pas de cache-nez qu'on a boire. Mais c'est dans le sud. Est-ce qu'au nord de notre pays, il y a eu souvent ce genre de cas où on a tiré à bout portant un homme ou une femme parce qu'il n'avait pas le cache-nez? Est-ce que souvent c'est le cas? Souvent. Je crois qu'il y avait eu un sort d'incident comme ça, mais je cherche à me remémorer. Est-ce que c'était parce que la personne n'avait pas son cache-nez? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et souvent, ce genre d'incident, c'est vrai que dans le sud. Merveille Bazozila, prétexte, il y a cache-nez. Ou elle va laver la cache-nez. Merveille Bazozila, elle va laver la cache-nez. Un autre jeune aussi, tué en Caillou ou Dolizy, pareil pour les mêmes circonstances. Et là, à Bakongo, Makelekele, un jeune qu'on a battu à bout portant parce qu'il n'avait pas son masque. Et tout ça, c'est dans le sud. Je redis encore, cette vidéo-là, je m'adresse directement à Sassou et à son entourage. Parce que je veux dire certaines choses qui va toucher Denis et son entourage. Parce que ce que je veux dire, c'est pour mieux encore leur montrer que tout le monde n'est pas d'accord par rapport à sa façon de faire, à la gestion du pays, ses méthodes, à son fonctionnement. Et ça, il y a des gens qui sont là de bonne volonté pour dénoncer cela. Donc, chers compatriotes, je vais maintenant directement m'adresser à Sassou. D'abord, Imbel Mesabve, la délégation à Sassou, délégation à Baoya Voyage,
Denis, je m'adresse à toi et à ton entourage. Là, maintenant, je vais expliquer comment cela fonctionne. La milieu Benin, là-bas, milieu Labino. Dans la délégation actuelle, là où vous avez vu Sassou arriver là. Dans la délégation, souvent, et là c'est le cas, donc Sassou ramène des petites filles, de très jeunes filles, pour venir ici en France, là. Donc Sassou a ramené plusieurs de jeunes filles dans sa délégation. Antoinette, qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, cela ne change pas dans les habitudes de Sassou. Elle n'est pas venue tout simplement parce que Antoinette, elle a peur. De la même manière aussi, Sassou aussi a peur. Sassou a peur. D'où vous avez vu Sassou s'habiller avec un gilet pare-balles. Il avait un gilet pare-balles. Lors de la photo que vous avez vue avec Macron, Sassou habillé en gilet pare-balles. Je vais vous montrer la photo. Oh, bah, Monaki. Habillé en gilet pare-balles. Je vais retrouver la photo chez un compatriote très rapidement. Je vais retrouver la photo. Et je vais vous expliquer aussi concernant ce que j'avais dit la dernière fois. Babiloko est à l'attaque. Babiloko est à l'attaque. La photo, je vais la retrouver sur ce téléphone-là. Bon, je vais d'abord montrer autre chose. D'abord, regardez d'abord, je vais aller sur cette photo-là. Regardez bien, je vais agrandir, regardez bien la main de Sassou. Regardez bien la main de Sassou. Regardez bien. Très bien. Regardez bien la main de Sassou. La dernière fois, je vous avais parlé concernant les bagues de Sassou. Bah, où j'avais expliqué que bague na gourmet naye, quand il est au Congo Brazzaville, ça ne manque jamais, ça ne le quitte jamais. À Brazzaville, comme j'avais expliqué pendant le conseil des ministres, tout le monde doit enlever montre, bague, bracelet, gourmet faut pas le voilà. Parce que motomo que tu as connu ta bague, tant que ça soit zappé la bidou naye, il faut pas le voilà. Avant ma compte à la salle. La conseil des ministres. Et ça, tout le monde le sait, Maïbi. Et au cours de cette vidéo, j'avais expliqué que quand il vient ici en Europe, ma bagouana n'a pas gourmet à me macangouter. Pourquoi? J'avais expliqué en disant ceci, il ne peut pas imposer à Macron d'enlever sa montre. À quoi le bagouana Macron t'es qu'à l'on l'appelle bagouana, n'a gourmet n'aie. Donc, bilokouana est ici qu'à la bagouana Congo. D'où, quand il s'agit de venir ici en Europe, ma bagouana, ma bagnaï mystique, ma bagnaï mystique, Atikagango. Atikagaba bagnaï, n'a pas gourmet Atikagango. A photo là, n'a qui s'acquibino. Maintenant, chers compatriotes, comme je venais de le dire, je retrouverai la photo où on attaque gilet pare-balles. Binomoko, mon qui photo, n'est qu'à l'attaque gilet pare-balles. Mais Antoinette, elle n'est pas venue. Antoinette, elle n'est pas venue parce qu'Antoinette, elle a peur. Elle a peur. On va vous dire oui parce que peut-être qu'elle ne se porte pas bien. Non. Elle a été dans tous les déplacements. Vous l'avez vu, Antoinette. Mais parce qu'Antoinette, elle a peur. Antoinette, elle a peur. Elle a peur sur plusieurs choses. Elle avait peur qu'on aille encore déranger Antoinette, qu'on aille les déranger. D'où ça se sur lui-même aussi la peur. Donc, voilà, Sassou, dans sa délégation, a souvent tendance à ramener les jeunes filles. La délégation venue actuellement, ils sont au plus de nombre de plus de 150 personnes. 150 personnes. Vous savez comment on surnomme ces jeunes filles-là? Ces jeunes filles-là sont logées avec eux dans leur suite, non pas dans leur suite, lui,
à l'hôtel Bristol, à Zouakach, suite royale, qui est payée à l'année, c'est payé à l'année, suite royale, comme je vous avais fait des révélations sur Edgar Nguesso. Edgar Nguesso, il est payé à Louaka, ma chambre à l'année, mais ça, c'est toujours du côté des Champs-Élysées là-bas, à la réserve. Non loin du palais d'Élysée, à la réserve. À la réserve, Edgar Nguesso à Louaka, suite à l'année. Maintenant, les jeunes filles là, ma surnom, ma pèse ma surnom, les suites présidentielles. Les jeunes filles que Sassou Nguesso ramène dans sa délégation. Ces jeunes filles-là sont surnommées les suites présidentielles. Ma jeune fille, voilà. Donc, c'est des jeunes filles qui sont à Brazza, ces jeunes filles-là, qui ont tendance à fréquenter ma milieu, voilà. Donc, ma côte si ma délégation. Ils ont déjà des passeports. Hein. Sassou Nguesso, quand il s'agit de voyager, il n'a pas question de c'est pas pour eux. Le problème de visa ne s'oppose pas. Donc, ma visa et Mazo voyager. Soit Bamoussou d'abord dans ma vol et avant. Soit Bamoussou au même vol Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça que Sassou Nguesso, quand il voyage, il loue toujours des Airbus. Airbus. Oya. Où il y a luxe, voilà. Dans Airbus ou à Louakawana, ou Bakébélé, au moment où je vous parle. Donc, Sassou était arrivé avec ces jeunes filles-là. Les jeunes filles-là surnommées suite présidentielle. Ces jeunes filles-là, donc, au nom de la délégation congolaise venue, ils sont plus de 150 personnes. 150. Donc, dès aujourd'hui, ils ont commencé déjà à faire des courses, des achats. Donc, comme là, bah, fonctionne un magasin, non? Si vous allez à Galerie Lafayette, vous allez les croiser là-bas. Si vous allez à Place Vendôme, vous allez les croiser là-bas. Dans des grandes boutiques parisiennes, vous allez les croiser là-bas. Là, ils ont commencé déjà à faire des courses, des achats. Chez Hermès. Vous allez là-bas, vous allez les croiser. Aux Champs-Élysées, vous allez les croiser là-bas. Donc la délégation venue avec Sassou Nguesso ici à Paris. Plus de 150 personnes. Plus de 150 personnes. Donc aujourd'hui, quand maintenant va fournir un magasin, ils ont commencé déjà à faire des achats. Des achats. Je poursuis, chers compatriotes. Alors, Denis. Comme j'ai dit, titre et vidéo, on retient un idiot, Denis Sassou, un idiot à Paris. Donc, je poursuis. Plus de 150 personnes dans la délégation Nayo, bateau et Omini. Tout le monde n'est pas logé à l'hôtel de Bristol. Il y en a ceux qui sont logés à l'hôtel de Meurice. Il y en a ceux qui sont logés aux alentours de l'hôtel de Crillon. Mais pourquoi aujourd'hui tu avais changé tes habitudes? Pourquoi tu loges maintenant à l'hôtel de Bristol? Il y a très longtemps de cela, j'avais expliqué au peuple congolais. Je veux revenir sur ça. Il y a très longtemps de cela. Avant, tu avais tes habitudes à l'hôtel de Crillon. C'est là-bas que tu logeais. Mais Denis, tu crois être plus intelligent que tout le monde. Mais moi, je sais pourquoi tu avais préféré loger à l'hôtel de Bristol. Parce que dans tes calculs à toi et dans ton entourage, vous vous êtes dit. Tant mieux, parce qu'à cette époque-là, on menait tellement des actions. Tu avais eu peur de rester encore à l'hôtel de Crillon. Tu avais trouvé mieux de te rapprocher vers le palais de l'Élysée pour ta sécurité. Je dis bien pour ta sécurité, parce que tout simplement, comme l'hôtel de Bristol est tout juste à 0 mètre du palais de l'Élysée, donc toi, dans tes calculs, tu t'étais dit, je vais m'installer à l'hôtel de Bristol. Pour bénéficier du sécurité du palais de l'Élysée. Parce que le secteur du palais de l'Élysée, tout comme la place Beauvau, donc le ministère de l'Intérieur, tout comme la primature,
c'est ce qu'on appelle le triangle d'or. Le secteur-là, on appelle ça le triangle d'or. Donc, les caméras sont braquées partout. Rien que d'ailleurs au métro Champs-Élysées Clemenceau. Que ce soit le métro Franklin Roosevelt. Que ce soit le métro Philippe Auguste. Que ce soit l'autre côté, métro Madeleine. Toutes ces métros-là sont surveillés par la sécurité intérieure du pays. Donc, la sécurité de la France. Toutes ces métros-là sont surveillés par la sécurité intérieure du pays. Il y a des policiers en civil, il y a des caméras de la RATP, mais il y a des caméras aussi de la police. Parce que ça, ce sont des métros qui entourent le cercle du triangle d'or. Toutes ces stations de métro-là. Donc, la sécurité, elle est largement renforcée. Et toi, c'est pour ça que tu avais adopté, tu avais changé de taxi. Au lieu de loger encore à l'hôtel de Bristol, tu avais préféré être à l'hôtel. Au lieu de loger encore à l'hôtel de Pillon, tu avais changé de taxi pour te loger à l'hôtel de Bristol. Pour ta sécurité. Parce que tellement surveillé. Le palais lisait à 0 mètre. Mais moi, je l'avais dit auparavant. C'était mal calculé, Denis. Très mal calculé de ta part. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que moi, quand j'avais compris cela, j'étais content. J'avais dit, voilà l'occasion pour nous, les Congolais, de mener des actions devant l'hôtel de Bristol. Et c'est pour cela que nous, les Indiens 242, et que j'avais soufflé cette idée-là aux membres de l'association amicale des Indiens, que l'endroit où on devait mener les actions, c'était à l'hôtel de Bristol. En menant les actions devant l'hôtel de Bristol, en faisant le tapage devant l'hôtel de Bristol, le palais de l'Élysée va être au courant tout de suite. Dans l'immédiat, le palais de l'Élysée sera au courant tout de suite que les Congolais ont débarqué à l'hôtel de Bristol. Que les Congolais ne sont pas contents de la situation de leur pays. Vous avez bien pensé bien faire. Toi, Demi, avec ta sécurité. Mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que prévenez que, à chaque fois que nous les indignés, à chaque fois moi, M. Nitou, ou avec Alain, tous les deux, que nous avons mené des actions à l'hôtel de Bristol, le palais de l'Élysée était tout de suite au courant. À quel point, à l'époque de Hollande, tout le monde sortait. Et un autre jour qu'on avait mené des actions, moi et Alain, c'est là où j'avais vu Benalla pour la première fois. Benalla était sorti. En ce moment-là, Benalla était encore aux côtés de M. Macron. Parce que j'avais compris. Pourquoi Denis? Je vais t'expliquer. Pour Yéba. Le coup de la vidéo, quand ça, l'équipe a donné tout la maillée. Mais moi, parce que j'avais compris une seule chose. Je vais t'expliquer, Denis. Au niveau du palais de l'Élysée, la sécurité est à l'extérieur, la sécurité est assurée par la police. À l'intérieur du palais de l'Élysée, la sécurité est assurée par la gendarmerie. À l'intérieur de l'Élysée. C'est la gendarmerie qui assure la sécurité. Mais à l'extérieur, la sécurité de l'Élysée est assurée par la police. À l'intérieur, par la gendarmerie. Maintenant, à l'intérieur de la maison du palais, c'est la garde rapprochée du président. Mais tout le monde, tous ces agents-là, sont connectés à une seule fréquence. À une seule fréquence. Bazaka la fréquence Moko. Bangonyo Sutuana. Donc, à l'extérieur, quand nous, on menait des actions, quand nous, on faisait le tapage à l'extérieur, les policiers de l'extérieur, quand ils communiquent entre eux, en disant qu'il y a des Congolais qui sont devant l'hôtel de Bristol, pour manifester sur la présence de Sassou Nguesso. Au moment où les policiers qui sont à l'extérieur, quand eux ils communiquent, ça veut dire quoi? Que les gendarmes qui sont à l'intérieur du palais Élysée sont aussi au courant. Que la garde rapprochée du président aussi est au courant, à travers leur oreillette. Leur oreillette. Parce qu'ils sont tous connectés à une seule fréquence. Baka la fréquence Moko. Donc, toi, Denis, tu pensais que en t'installant à l'hôtel de Bristol, c'est bien pour ta sécurité, mais moi, personnellement, j'avais compris que c'était une occasion pour nous, les Congolais, de mener les actions à l'hôtel de Bristol pour mieux sensibiliser d'abord le président de ce pays, sa garde rapprochée, le personnel de l'Élysée, et surtout le personnel aussi du ministère de l'Intérieur, puisqu'ils sont toujours à 0 mètre. Donc, comme je venais de dire, le triangle d'or. Mais,
Donc, nos actions menées devant le palais Élysée, à l'époque de Hollande, que ce soit aussi à l'époque de Macron, d'où nous allons toujours continuer à mener ces actions-là, quand l'occasion nous sera donnée, quand on trouvera que oui, le temps il est favorable pour mener de telles actions, pour faire entendre la voix du peuple congolais, ça, nous allons le faire. Mais dans tes calculs à toi et de ta sécurité, vous vous êtes dit que c'est sûr que M. Nitu va débarquer. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous vous êtes dit que M. Nitu va débarquer. Oui, il va débarquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier et avant-hier? Mais tu avais posté tes gars à la sortie presque du métro Champs-Élysées Clémenceau, métro Havre-Gomartin, Georges V, Madeleine, tout le secteur grouillé de tes agents en civil, en faisant du style comme si c'était des passants, des simples passants. Tes petits à toi, tes cobras de la place de Paris, tout cela que tu avais ramené même de Brazzaville. Vous êtes venus nombreux dans votre délégation, nombreux, comme je viens de le dire, avec les suites présidentielles, la manière dont vous surnommez vos petites. Nakossi, Eslama Tomalopouta, que ma petite Nabilouana, les jeunes filles que vous ramenez là dans votre entourage là, toutes ces jeunes filles-là que vous amenez en France, mon père, ça va avoir un surnom, les suites présidentielles. Les suites présidentielles. Ma jeune fille est belle. Mamsou, elle m'a dit que ça, déjà ma course, mais non. Par contre, tu as un magasin. Donc, voilà l'explication que je vais te donner par rapport à Ossara Sassou, pour rester à l'hôtel de Bristol. Mais ne pense pas que Ossara Sassou, Yamayele, et Zachoua Zoba. Toi et ton entourage. Bon, maintenant, Kalissa qui pensa bien Yamayele, pour bénéficier de la sécurité du palais de l'Élysée, voilà, on va maintenant, rien que pour arriver en France, on va maintenant rester seulement à l'hôtel de Bristol, pour profiter de la sécurité du palais de l'Élysée. C'est pour ça que tu n'atterris plus presque à l'hôtel de Crillon, là où tu avais tes habitudes. Ou soit à l'hôtel Le Meurice, là aussi tu avais tes habitudes. Et pour te dire que ça s'ouvre aux Akazoa. Mais je vais expliquer encore. Parce que s'il n'y avait que des Congolais, aussi, je ne dis pas que les Congolais ne sont pas courageux. Il y a aussi des Congolais qui sont aussi courageux. Plus courageux que nous autres là. Mais si on avait la même vision, on avait tous la même vision, que c'est là-bas qu'il faut frapper. Pour les problèmes du Congo, c'est là-bas qu'il faut être. C'est là-bas qu'il faut faire du bruit. S'il faut se construire prisonnier, c'est là-bas. Si les Congolais avaient compris ça, aujourd'hui, c'est l'endroit idéal pour aller parler sur la misère, la souffrance des Congolais. Parce que tout de suite, le palais Élysée va être au courant. Non, dit le palais Élysée, dit Macron. Il n'y aura plus rien à expliquer à Macron, puisque que ce soit le personnel de l'Élysée, que ce soit le Macron lui-même, que ce soit le Drian, que ce soit tout ce monde-là, ils connaissent la situation du Congo-Brazzaville. Ils sont mieux informés que certaines choses que nous ne connaissons pas. Les Français savent là où se trouvent les richesses du Congo-Brazzaville. Ils sont bien au courant, ils sont bien informés. Donc si les Congolais courageux s'étaient levés pour aller là-bas, parce qu'il est là à 0 mètre, le palais Élysée est là, oui, le message va vite parvenir chez Macron. Ce n'est pas pour rien que nous, les indignés du 242, que j'avais initié cela, si c'est des actions, on y va. Alain, bon, ok. Maintenant, vous pouvez Bitcoin. Bitcoin, on a mené des actions devant le palais Élysée. À l'époque de Hollande, jusque-là, au moment où Macron est là. Donc, Denis, pour te dire que Ezaka ou Zoba, place au Ponakiwana, soit disant pour la sécurité d'ailleurs. Mais pourquoi on avait demandé maintenant à tes cobras, à ta milice, de ne plus être devant l'hôtel de Bristol? Ça, je vais expliquer ça au peuple congolais, pour que Bayeba. Parce qu'avant, quand tu arrivais, Denis, les cobras, ta milice là, tes petits là,
Il se mettait bien tout juste devant l'hôtel de Bristol, non? Il se mettait là debout. Mais pourquoi on les avait demandé de dégager? Pourquoi, Denis? Mais je vais expliquer au peuple congolais. Par rapport au vol du portable de ce dernier-là, de ce criminel-là. Et quand j'avais dénoncé cela, le soir, en expliquant que tu recrutais même ceux qui ne sont pas des Congolais pour venir se mettre debout devant l'hôtel de Bristol, en expliquant aux responsables de l'extérieur de sécurité, de l'extérieur, donc aux responsables de la police de l'extérieur du palais de l'Élysée, de l'extérieur du palais de l'Élysée, aux responsables de la police, en disant que ceux qui sont debout là-bas, ce ne sont pas des Congolais. Il y a des Congolais, certes, mais dans le lot, il y a des étrangers que lui, il recrute pour être debout devant l'hôtel de Bristol ou dans les coins de rue. Mais les policiers, ce jour-là, ce responsable de la police m'avait écouté. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il dit, j'avais dit seulement, contrôlez-les, vous allez voir que vous allez me donner une raison. Et le responsable de la police, quand il avait contrôlé les jeunes qui étaient au coin de la rue Faubourg Saint-Honoré, il avait constaté de lui-même, il avait fini par me donner raison, qu'il y avait des gens de la RDC qui étaient là. Il y avait des gens de la RDC qui étaient debout. Effectivement, la question que vous avez posée, mais vous n'êtes pas du Congo-Brazzaville, mais vous faites quoi ici, là? C'est les karatékas de la RDC que Batonem a recruté à qui? Recruté par Udover Mourani. C'est ça, Udover Mourani. Ce qu'on appelle Udo, c'est pas Udo. Udover Mourani. C'est lui-là qui avait recruté ces karatékas de la RDC. Et il y avait aussi des Ivoiriens. C'est Udover Mourani. C'est lui qui avait recruté ces héros-là. Et moi, j'avais donné toutes ces informations-là aux responsables de la police qui étaient à l'extérieur de l'Élysée. Et une fois le contrôle effectué, le policier leur avait demandé, intimé l'ordre de dégager. Et à partir de là, on avait pris des mesures. Plus personne, des gens civils, doivent se tenir encore devant l'hôtel de Bristol, ni au coin de la rue. Les mesures avaient été prises. Mais auparavant, ils étaient nombreux à être debout là, dehors là, devant l'hôtel de Bristol. Je poursuis ça. Je prends un autre sujet, très rapidement. Alors, peuple congolais, je vais vous informer ce qui se passe dans la République de Sassou Nguesso, la République bananière. Zéphirin Mbulu, Denis, n'est-il pas dessus, Zéphirin Mbulu? Ancien ministre de l'Intérieur, c'est quel poste vous l'avez confié, Denis? Sassou, quel poste tu as confié à Zéphirin Mbulu? Là. Il n'a plus le même poste qu'il avait auparavant. Ministre de l'Intérieur. Mbulu, je crois, c'est à la sécurité. Si j'ai une bonne mémoire, si je regarde un peu ce que vous avez eu à publier par Florent Chiba. Alors, cela montre bien, comme je l'ai toujours dit, c'est pas Colonel Makosso. D'abord, Colonel Makosso, s'il est là, c'est Antoinette, mais vous-même, vous savez pourquoi il est là. Et Colonel Makosso, j'ai pas un problème avec mes frères du Bénin, mais Colonel Makosso qui est béninois et qui a des biens au Bénin. Ça aussi, c'est la vérité que nous devons dire au peuple congolais. Ça aussi, c'est la vérité. Colonel Makosso, ancien directeur de cabinet d'Antoinette, il avait commencé à travailler avec Antoinette à son association Congo Assistance. Et Antoinette l'avait ramené au palais de l'Élysée. Colonel Makosso, qui a ses habitudes d'aller au Bénin, qui est béninois. Colonel Makosso, qui a des biens au Bénin. Colonel Makosso, c'est pas étonnant qu'Antoinette puisse soutenir Colonel Makosso et Sassou Nguesso lui-même. Parce qu'Antoinette, je le rappelle encore une fois, pour la bateau, voyez bien voté, Antoinette, elle est béninoise. Je n'ai rien à voir avec mes frères du Bénin, mais avec mes soeurs du Bénin, mais j'explique, c'est
La vérité doit être la vérité. Le peuple doit être au courant. Le peuple congolais doit savoir. La maman d'Antoinette Sassou Nguesso, arrivée en RDC au même moment, le même jour, avec la maman du propagandiste, celui qui était l'ex-musicien, celui qui était musicien, mais qui n'est plus musicien, le propagandiste que vous appelez l'ingrat que vieux Jules avait propulsé sur la scène musicale, que vieux Jules avait propulsé, l'ingrat, le mauvais, le propagandiste, ce ex-musicien que vous appelez Antoine, je préfère l'appeler comme ça, Antoine Obobegaka. J'ai même pas envie de prononcer même son nom, ça m'intéresse pas. Ce voleur chanteur là, celui qui avait volé même des couverts en or à la présidence, celui qui avait fui avec le véhicule des Congolais, un véhicule de la présidence. 4-4, il y a Sika. Akimakango, Nakim. Akimakana, 4-4, il y a Sika, Akim. Un musicien, ex-musicien, voleur. Sa maman, là. Elle était béninoise. Maman est ex-musicien, là. Béninoise. Bah, quand je l'ai dit, maman poto. La maman dans la toilette. Donc, la maman des Voloko Joker, oui, mais je peux citer, la maman des Voloko, la maman d'Antoinette Sassou Nguesso, la maman d'Antoine là, ex-musicien là, propagandiste là, Oyo, Oyayembe la Babangoana, ce qu'on appelle, oui, exactement, un voleur, merci. Job Ketani, j'ai même du mal à dire son nom là, Job Ketani, oui. Le petit qui a été, le faux musicien qui a été propulsé par le vieux Jules. Un ingrat. Celui-là, là. Donc, c'est toi, maman, là. La maman d'Antoinette. La maman des Voloko Joker. Et la maman de ex-musicien, là. Le voleur, là. Le propagandiste. Toutes ces trois femmes, là. Ils avaient quitté le Bénin pour venir faire leur vie à Kinshasa. Pour venir chercher leur vie à Kinshasa. Ce que je vous dis n'est que vérité. La vérité a été même sortie de la bouche de Voloko Joker. Et Voloko Joker l'avait dit ouvertement. Maman Oyanga ou Abotangaï. Baya Kanzela Moko, na maman ya Antoinette Sassou Nguesso. Na maman ya ex-musicien, voilà, ex-musicien, voilà. Baya Kanzela Moko. C'est des femmes béninoises. Nous devons connaître l'histoire de notre pays. Nous devons connaître. Qui est qui? Qui est qui? Pour ne pas que vous soyez étonnés. Qui est qui au Congo-Brazzaville? C'est comme ça chez Campatros. On est en train, nous les vrais Congolais, on est en train de nous chasser dans notre propre pays. Nous les vrais Congolais, on est en train de nous tuer. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui n'ouvrent pas les yeux. Quand on vous parle de l'unité du Sud, quand on vous parle, faisons attention. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien compris. Donc jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien compris. Donc aujourd'hui, voilà aujourd'hui, vous avez peut-être compris pourquoi Bango va balisaka banana bango na ba paya. Pourquoi banana bango va kenego baisa bango na ba paya. Julienne Nguesso, elle était mariée à qui? Juju, marié à qui? Bamoussoua n'a pas pareil. Banabango toujours n'a pas payé. Pour eux, le Congo, c'est un endroit où ils étaient venus s'enrichir. Et il faut enrichir ces étrangers, les autres étrangers. Parce que eux-mêmes, ce sont des étrangers. Parce que eux-mêmes, ils se considèrent étant comme des étrangers. Donc, Mboulou n'est pas content. Je viens sur Mboulou. Mboulou parce que il n'est pas content, je vous dis. Et croyez-moi. Et je vais expliquer à Mboulou
la copie ça fait combo, Bouyoga combo, Mbouru n'est pas content. De sa nomination, il n'est pas content. Parce que, pour Mbouru, il se dit qu'il a beaucoup fait. Pendant ma élection à l'Okuta, c'est lui qui était à la manœuvre. Pendant qu'on t'a ma résultat à l'Okuta. Donc, c'est encore ce même Mbouru qui est étonné de constater que parce que PC Kaka, moi poste mon boy, par rapport à Makambo et à Sali, Mbouru est très déçu. Mais je vais expliquer à Mbouru. Je vais expliquer à Mbouru. Pourquoi Mbouru est déçu? Mais parce que Mbouru, le ministère Wana, le ministère Wana Mbouru, a maintenant ça la business. Mais avec qui? Mbouru faisait business en plaçant son petit frère. Je vais vous donner le nom de son petit frère. Bon, donc, Mbouru avait donné le marché à son petit frère pour équiper la police et l'armée. Donc, celui qui équipait la police et l'armée, le petit frère de Mbouru, avec le fils de Garngesso aussi. Mais le petit frère de Mbouru, en même temps que Mbouru lui avait confié le marché de la police et de l'armée pour équiper la police et l'armée, en même temps, son petit frère, qui est aussi, je dis bien, qui est aussi préfet, non, procureur de Djambala. Le petit frère de Mbouru est procureur de Djambala. Il se prénomme Vianney. Est-ce qu'on voulait sa Suisse? Vous m'entendez? Est-ce que le nom, le prénom que je viens de sortir là, le prénom que je viens de sortir là, c'est ça ou c'est pas ça? Que Mbouru n'a pas un petit frère qui se prénomme Vianney et qu'il est aussi procureur à Djambala? C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Ça, c'est une question, j'espère que tu m'entends. Vous les Suisse, j'espère que vous avez besoin. Mbouru, Azana le qui va bien à Vianney ou Azana le qui va naté? Est-ce qu'Azana le qui va bien à Vianney? Ou Mbouru a fait ça marcher? Yako, marcher à la police, marcher à l'armée. Mbouru a un petit frère qui se prénomme Vianney, qui est aussi procureur de Djambala, et à qui Mbouru avait donné les marchés pour équiper la police et l'armée. Et le petit frère de Mbouru se prénomme Vianney, procureur de Djambala. Je poursuis. L'élope Bokoyo Rangaï, très rapidement, parce que j'avais dit que vidéo, Esaïa Sassou, elle voulait sa Suisse, et je vais informer le peuple congolais. Par rapport à fonctionnement d'Abino. J'en puisse, chers compatriotes. Maintenant, passons à Thierry Mungala. Thierry Mungala aussi, pareil. Thierry Mungala, un faux ministre, donc un ministron de Sassou Nguesso, pareil. Lui aussi, pareil. Donc, il avait confié le marché à son frère pour fournir du papier rame à son ministère. Donc, le fournisseur de papier rame au ministère de Thierry Mungala, c'est son parent, c'est son petit frère. Je dis bien, Thierry Mungala, aussi pareil, lui aussi, il avait donné le marché à son petit frère pour fournir son ministère en papier rame. Et le marché-là,
Tchéringa l'avait confié à son petit frère. Donc au retour, ça veut dire quoi? Il gonfle des factures. Au retour, il gonfle des factures. Et il faut rentrer ces factures au trésor public. Donc, on rajoute plusieurs zéros. On fait rentrer ces factures à la présidence de la République, sur le compte du ministère qui va payer le fournisseur. Mais le fournisseur qui n'est autre que le petit frère de Mutyeri Mungala, le parenté de Mutyeri Mungala. Et au retour, il se partage des millions. Je continue, chers compatriotes, toujours dans le système de Sassou Nguesso pour dénoncer cela. Donc, allez-y comprendre. Donc, Thierry Mungala, lui aussi, dans le même système. Mais Bangonyo, c'est tout, voilà. Bazakana, système, voilà. Voilà pourquoi, chers compatriotes, ces personnes-là ont toujours rêvé de rester au pouvoir. Rien que le pouvoir. À vous qui avez le temps, l'occasion de vous promener en plein Paris, Paris 8e, Paris 16e, dans les beaux quartiers, si vous promenez là-bas, vous allez trouver que la délégation congolaise est en train de déambuler dans les magasins avec des gros sacs. Avec des gros sacs. Parce que la délégation congolaise, plus de 150 personnes, plus de 150 personnes que Sassou Nguesso a ramené. Plus de 150 personnes. Donc, dès aujourd'hui, ces quartiers libres, c'est maintenant des achats en grande quantité au réseau Sala. Galerie Lafayette, aux Champs-Élysées, Place Vendôme, je vous donne des endroits, je vous cite des endroits, au réseau Sala, ma course, ma bande. Place Vendôme, Galerie Lafayette, aux Champs-Élysées, boutique Hermès, ma boutique est bien là. Vous allez chez Jean-Marc Weston. Vous allez les croiser là-bas. Plus de 150 personnes venues sur la place de Paris et accompagnées des jeunes filles qu'ils ont ramenées. La jeune fille, on va appeler ça par surnom, les suites présidentielles. Les suites présidentielles. Bon, non, mais ces filles-là logent dans les grands hôtels. Et sans gêne, excusez-moi parce que c'est la vérité. Voilà. Et Sassou, je l'avais dit une fois. Je le redis encore, excusez-moi parce que je dois dire la vérité au peuple. Sassou a souvent l'habitude, excusez-moi l'expression, je dois le dire ouvertement, toujours de coucher avec deux jeunes filles. Deux jeunes filles. Donc les jeunes filles là, Bana Bassiwana, Bana Bassiwana, Ongala Yem Simino, Sassou Azaranangomi Balé. Sassou Azaranangomi Balé. Donc, chers compatriotes, je continue. La vidéo est les Katiwana, je vous avais parlé. Ma Kamboro est Tali. L'enfant de Sassou Nguesso. Ah, j'ai dit l'enfant de Sassou Nguesso. Oh, enfin. L'enfant de Blondie. Blondine qui n'est autre que la fille d'Antoinette Sassou Nguesso. La vidéo et les cas qui ont là, j'avais parlé de cela. J'avais expliqué. Vassiline Ngoma. L'enfant de Sassou. Ah, j'ai dit l'enfant de Sassou. Ah, excusez-moi. Enfin, oui. L'enfant de Blondine. Blondine qui n'est tout autre que la fille d'Antoinette Sassou Nguesso. Vassiline Ngoma. Donc, je vous avais parlé de cela. Maintenant, chère compatriote, j'ai imprimé des photos. Je vais vous montrer, chère compatriote. Regardez vous-même. Moi, je parle avec preuve à l'appui. Regardez. Il est là. Vassiline Ngoma. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Ce que je vous avais expliqué, que le jeune là, il est multimilliardaire. Et il a plusieurs sociétés à l'extérieur. Donc, même pas au Congo. En Côte d'Ivoire. Au Maroc. Ici en France, voilà, il est là. Regardez bien la photo, il est là. Alors, voilà, d'accord.
Ce que je vous avais dit récemment, la vidéo est les kaki. Regardez. Denis Sassou, j'espère que tu es connecté parce que au Makambo peuple Fouaïba, voilà ce qui doit nous revolter, chers compatriotes. Voilà ce qui doit nous revolter. Quand on vous dit l'unité du Sud, le Sud doit être uni pour faire face à ce genre de situation, à ce genre de choses. Lui, il a Vassili Ngoma là. Il a déjà travaillé où, lui? Est-ce que c'est un homme d'affaires, à Salam affaires, pour qu'il doit, qu'il puisse devenir multimilliardaire? Qu'est-ce qu'il avait fait dans sa vie pour devenir si riche que ça, Vassili Ngoma? Et là, c'est en Côte d'Ivoire. Vous avez vu? Donc là, c'est le jour où il avait présenté, il avait pris la photo avec ses travailleurs. Avec ses travailleurs, regardez, en Côte d'Ivoire. Donc, comme je l'avais dit, on vole l'argent des Congolais pour aller créer des emplois ailleurs. On prend l'argent des Congolais. Donc, on n'emploie pas, on vole l'argent des Congolais et on va créer des emplois ailleurs. Donc, le petit-fils d'Antoinette Sassou Nguesso, Vassili Ngoma ou Vassili Ngoma, Vinci Ngoma ou Vinci Ngoma. Donc, l'enfant de Blondine. Blondine, c'est elle qui avait fêté son anniversaire à Kinshasa, où le propagandiste, l'ex-musicien, avait chanté. Regardez, en Côte d'Ivoire, patron, PDG de cette entreprise-là. Parce que là, j'ai seulement imprimé cette partie-là. Il y avait plusieurs véhicules. Plusieurs véhicules. Il est là, Vassili Ngoma. Mais où est-ce qu'il a eu tout cet argent-là? Où est-ce qu'il avait eu tout cet argent-là? Où est-ce qu'il avait eu tout cet argent-là pour créer cette entreprise-là? Où est-ce qu'il avait eu tout cet argent-là? Maman, je te rappelle, maman. Où est-ce qu'il avait eu tout cet argent-là pour créer tous ces emplois-là? Toutes ces entreprises-là, en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est avec l'argent des Congolais. C'est avec l'argent des Congolais. Ça, c'est avec l'argent des Congolais. Vous voyez vous-même? Voilà ce que moi je dénonce. Pour éveiller la conscience des Congolais. Pour que les Congolais de Téléma, la vérité est là. Il est là, devant vous-même. Je poursuis. Regardez, la photo est là. Ce que je vous avais parlé, Sassou est là, la fille là est là, celle qui est devenue maintenant la compagne de Didier Drogba. Le maire de la ville de, je sais pas, de l'Abidjan, Vassili Ngoma, Antoinette Sassou Nguesso. Regardez vous-même, chers compatriotes. Regardez. Moi, je parle avec des preuves. Moi, je parle avec des preuves. Moi, je parle avec des preuves. Regardez vous-même. Moi, je parle avec des preuves. Regardez vous-même, chers compatriotes. Vous avez vu? Ça, c'est lors de la célébration du mariage du fils Sassou. Du fils Sassou, qui est là, Antoinette est là, Sassou est là, leur belle-fille est là, elle est là, le maire d'Abidjan, voilà, bon, enfin, le fils Sassou, hein, voilà, ça c'est en Côte d'Ivoire. Et tout ça, ça va coûter beaucoup de milliards. Je poursuis. Regardez, là, c'est au moment où ils étaient devant le maire d'Abidjan. Regardez vous-même. Devant le maire d'Abidjan. Regardez vous-même. Là, c'est devant le maire d'Abidjan. Le fils de Sassou, il a ex-naï.
Mais moi, je vais le mettre là. Bah, entreprise, il y a la Côte d'Ivoire. Bah, taxi, il y a un propriétaire. Mais il y a peut-être cette photo-là, parce qu'il y avait plusieurs. Je vous dis qu'il y avait plusieurs véhicules. Plusieurs véhicules, là. Mais là, il avait donné les emplois à qui? C'est aux Ivoiriens. Mais ça, c'est l'argent de qui? C'est pas l'argent des Congolais. C'est pas avec l'argent des Congolais qui étaient partis créer ces entreprises-là, ces compagnies-là en Côte d'Ivoire. Mais pour faire travailler qui? Les Ivoiriens. Or, c'est l'argent des Congolais. Et ça, ça ne fait pas réfléchir certains Congolais. Moi, personnellement, je le dis ouvertement, chers compatriotes, ça m'écœure. Quand je vois que nous, les Congolais, nous ne sommes pas quand même dépourvus d'intelligence. Mais au lieu qu'on puisse se focaliser sur les choses essentielles, Makambo y a mon solo, ma mambo y a mon tchéléka, bête ma Congolais, parce que tu as ma mambo zoba. On est là souvent à aller dans les divertissements, le moment où Zoba, là où on devait plutôt s'indigner. Là où on devait se poser des questions. Là où on devait se fâcher. Maman, vous avez Zola, quoi, la Kuzaba, à bon, il y a qu'une force qui est. Au lieu que l'on a dit que Zoba, ma vidéo est Zoba. Ma vidéo, c'est-à-dire qu'en gros, qui nous apporte absolument rien. C'est clair et net. Bête ma Congolais, je le redis encore. Bête mes autres, maman, vous Zoba. Normalement, vous Zoba, on est là-bas. Mais normalement, vous y a un métal intérêt à boire la bête. Vous, bête à l'air normal. Que Vassili Ngoma, lui là, multimilliardaire. Mais multimilliardaire, normalement, Congolais. Et vous trouvez ça normal qu'il aille créer des emplois en Côte d'Ivoire. Vous faites travailler des Ivoiriens. Et ça, ça n'écœure pas certaines personnes. Ça, ce n'est que pas certaines personnes. Non, ce n'est que pas. Pour eux, c'est rien. Congolais dans l'ambiance. Congolais dans la maman Bouzoua. Là, on va parler des sottises. La maman Bouzoua, le Congolais est là. Et là, Nambo Mbabet Moussi. Où est-ce qu'il a eu cet argent-là, lui? Ce jeune-là. Pour créer plusieurs entreprises en Côte d'Ivoire. Mais c'est avec l'argent des Congolais. Et il va donner la main-d'œuvre aux Ivoiriens. Il va donner du travail aux Ivoiriens. Ça ne choque personne. Je passe et je vais revenir. Chers compatriotes, je vais revenir sur ce point-là. Je passe. Alors, chers compatriotes, deux petites minutes. Deux petites minutes, chers compatriotes. Comme ça. Ben moi aussi. On peut accéder à une autre vidéo, moi aussi. Ben que t'as l'air bien. Je vais essayer de retrouver la vidéo. Voilà. Regardez. Voilà. La connexion est mieux sous vidéo. Pour me tenir bien. Yango. Peuple congolais. Voilà
ce qui est devenu le Congo. Je dis bien ce qui est devenu le Congo. Et ça, dans tout ça, ça ne choque personne. Bamoussou Soiseau Monango, que non, c'est comme ça. Que le Congo, ben le Congo, tout va bien. Qu'au Congo, que cela est normal. Quand certaines personnes vous parlent de l'unité du Sud, USK, 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 signez la pétition, signez la pétition, signez la pétition. Bamoussou Soiseau Monango, non, Makambo Sakana. Comment voulez-vous vivre là-bas, Tobongo? Je vous ai dit que Sassou est arrivé à Paris avec plus de 150 personnes. La délégation est plus de 150 personnes. Et accompagné des jeunes filles qu'eux, ils avaient surnommées les suites présidentielles. Les suites présidentielles. Les suites présidentielles, c'est les jeunes filles qui sont à Blaza, qui sont dans le sillage du milieu diabolique, satanique de Sassou Nguesso. Donc ces filles-là, Bamile Bango a un poteau. Donc si vous allez aux Champs-Élysées, dans les coins que je viens de citer, vous allez les croiser là-bas, en train de faire des courses. Et je l'ai appris, toujours dans mes sources, que certaines filles vont rester même ici en France. Bamile Bango au Zobasu, Braza. Et vous croyez que la gestion du pays, c'est ça? C'est comme ça qu'on gère un pays. Et vous trouvez que oui, non, mais au Congo-Brazzaville, tout va bien. Nous devons continuer encore à parler de l'unité nationale qui n'existe même pas. Au cours de cette vidéo, Nakola Kisabino, je vous fais des démonstrations que quand on dit Bozalabino Batomabe, Bozalabino Batomabe, regardez, chers compatriotes, aujourd'hui, ce que j'ai vu dans les kiosques parisiens. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. Dans les kiosques parisiens, voilà ce que j'ai vu. Voilà. Donc, Sassou a payé des journalistes. Comme d'habitude. À grands coups. Pour que regardez vous-même. Regardez vous-même. Je remonte encore la photo. Voilà ce qui est écrit. Le médiateur. Le médiateur. Le médiateur. Après de l'autre côté, Bakomi. Je vais vous le lire tout de suite là. Bakomi, le calice. Je vais vous le lire tout de suite. Je cherche Yango Oa Bakomi. Bon. Attendez, je vais le retrouver chez Compatence. Ça y est là. Voilà. Ça y est là. Photo Oyo. D'accord. Le médiateur. Et en bas, on a écrit l'homme grave. Yango Owakumia. Regardez maintenant. Batonaye et Loko Wasali. Donc, dans plusieurs kiosques de Paris, voilà, Sassou avait payé. Ça, c'est sûr et certain. À coup de millions de francs CFA, des journalistes, pourquoi pas communiquer article à Bouillé. Et que cela soit distribué partout en France, au moment où lui, il allait arriver. Au moment où lui, donc, tout était calculé. Mais le mot là, l'homme grave que vous voyez là, ce qui est écrit là, le mot qui est en bas là, chers compatriotes, je vais essayer de lire un peu ce que c'est. L'homme grave est un objet mythique de la légende asturienne, objet de la conquête des chevaliers de la Table Ronde à partir du XVIe siècle. Il est assimilé au Saint Calice, la coupe utilisée par Jésus-Christ et ses 12 disciples, au cours de la scène qui a recueilli le sang du Christ
et prend le nom de Saint Graal. Donc, ça n'a pas été écrit au hasard. Ça n'a pas été écrit au hasard parce que Bango Moko Bayebi. Pourquoi ma combat qui nous a boué? Chers compatriotes, peuple congolais, je poursuis. Suivez-moi très bien. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, vous voyez bien, vidéo au rang avec Sabino. Ça a un lien. Parce que dans notre pays, il n'y a pas le respect des droits de l'homme. Voilà pourquoi, tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ne veulent pas témoigner. Les loyers Bokilo à Zolo, il n'y a jamais eu de génocide. Mais quand un pays, un président de la République qui se dit président, qui fait appel à un autre pays pour venir exterminer sa population, hein? On va appeler ça comment? Ça, c'est pas du génocide, ça? Nous autres, là, on n'a jamais fait la guerre. Mais on a perdu nos frères. Mon frère n'a jamais été ni ninja, ni cobra, ni je sais pas cocoy. Mais mon frère a été tiré par les Angolais. Grâce pour nous que mon père parlait un peu portugais. C'est ça qui les avait sauvés, sinon mon père aussi devait être tué. Parce que quoi, les Angolais avaient reçu l'ordre que non, ils devaient tirer sur tout ce qui bouge, même sur les chiens. Parce qu'ils se disaient que non, les gens du poule, ce sont des féticheurs, ils se cachent même dans les chiens. Hein? Les notamment tous autres à la vidéo, aux autres que ça nous soit vraiment passé. Hein? Nous la paix, surtout Banamboka Moko. Mais essayons un peu vraiment, messieurs, ceux qui nani, Bokilo. Si vraiment tu es quelqu'un de Olingo, mais ma paix, honte à toi de parler du passé, de ce qui s'est passé au poule que tu ne connais pas. Yo yebi ma kamouleta na poule. Tu n'as jamais fui dans le poule. Moi, j'ai hébergé les gens de ton pays et de l'autre là, de ton village. Hein? La cité, maman va comboter. Hein? Des mochis que moi, j'ai fait traverser. Ton salé là, maman va acte de naissance. Ton lékissa, maman, ton gena, motika, maman, tina, ma dia, pour ma joie, traba, qui ne pointe noire, à partir de pointe noire, ma joie, n'a mieux, avema, qui est Gabon. Tu ne connais rien? Il y a de ces choses qui s'est passées pendant la guerre. Hein? Mais ça te perdait, ma frère. Hein? C'est un génocide qui s'est passé. Hein? Regarde le Rwanda. Le Rwanda s'est battu entre les Rwandais avec les machettes. Babengango génocide. Mais combien de fois un président qui fait déplacer les Angolais, les Soudanais, les autres là, les Centrafricains, les Rwandais, à Mema Bango, ils étaient logés dans la base là-bas. Ameni Bamona Mboka, un pays comme le Congo Brazzaville, Yamukiewana, tout juste pour qu'il a gagné guerre. Son but était d'exterminer toute la population du poule. C'est ça, c'était son but. Ngana Zonlova, j'étais infirmière à l'hôpital militaire. Puis son mot de comment on appelle, les blessés de guerre. Oko Kami Yobozo, Oba Kosa qui a kena Okufa na Gabon. Oko Kami Yakufa na Gabon, t'es? Oko Kami a koufa na hôpital militaire. Pourquoi te kubato te évacuer qui est nanani en Agabo? C'est parce que les cobras étaient montés dans les colons et nanani en Agabon. Ils avaient dit que ceux qui Oko Kami a koufi, tout ce monde qui était nanani en bloc opératoire, ben n'a pas il fallait les directeurs et nanani à l'hôpital militaire à Benga Sassou. Sassou a pensé ordre que non, beaucoup ça que non, à un état critique, va évacuer Agabo comme ça. À la libre. Il était déjà mort quand on l'a pris de l'hôpital militaire. Monsieur Bokilo, il y a bien de l'autre côté, hein?
Il y a des gens qui ont perdu des familles. Bisso va auto bénéficier de Liamon à sa soutien. De Liamon à sa soutien. Sassou a fait beaucoup de choses. Nous tous là, on aimait Sassou. Hein? Nous avons 77. Nous avons dit que 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 l'homme de la paix. Mais l'homme de la paix s'est transformé en monstre. Mais vous, vous êtes toujours là à les soutenir. Vous voulez les garder au pouvoir. Parce que vous voyez que dans vos têtes là, vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas de bagages. Aujourd'hui, ceux qui s'assoient à Kéhibi, non, tout le monde a place à Robandaté. Soyons quand même sérieux. Vous voyez que la quand même population en a passé. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Il y a des gens qui ne veulent pas témoigner, même pour la Samilomina Bango. Hein? Aujourd'hui, quand j'entends ce frère-là qui est en train de pleurer, a perdu moi si n'a perdu banana et cimetière à éviter. N'a la kunda yé la bisso, les boules va se kundele même pas un mètre. Parce que ça tirait de partout. Hein? Ma tiraille à bout portant, à Samolo. Monsieur, tu ne connais rien. Nous sommes à l'imbi Sabino, que Dieu pardonne. Bisso nous se toyo, on ne veut pas la division. Yo lélo osons défendre sa sou parce que. Mais je sais, il y a encore nos frères du Nord aussi, mais c'est parce que Mbokanabiso, ils ont un droit, ils ont un respect, il y a droit de l'homme. Dès que tu ouvres la bouche, on te tue. Dès que ton visage est à découvert, ils vont tuer toute ta famille. Il y a un monde à nous, tu vas comme oui. Mais ceux qui les ont nommé que non, ça sous les pourquoi ils sont pas? Pour la ligne abimagati ou azarabagandité. Quel est le président le plus protégé dans le monde? C'est pas Sassou? Sassou n'a la toilette à zone qui n'a pas garde du corps. Hein? Montez à l'Occident. Montez à président n'a pas zo tambola. Hein? Pourquoi il craint? Parce qu'il y a des que n'a pas zo, il y a moindre faux pas à zo koufa. Mais il y a un Dieu qui est là. Il y a un Dieu qui est là. C'est un être humain, avec immortalité, hein, à Kokoufa un jour. Mais vous tous là qui viennent défendre sa soie d'abord au Kendoap. Quand tu dis qu'il n'y a pas eu de génocide, mais c'est honte pour toi, tu ne connais pas ce qui s'est passé dans la guerre de 98. Tu ne connais rien. Comme a dit le frère Keteka, en 97, ce n'était pas la guerre. Parce que nous sommes honte, mon âge, tu as vu qu'on s'en a dans la totale. Mais tu as vu qu'on s'en a dans la totale. Il y a eu même un temps, Les lots qui ont, aux oliers et panayokuna, après on les cacao, si tu
tu veux venir donner des nouvelles. Personne n'a pas de nouvelles. Au lieu de venir, moi, je vais tomber la rapporte à bateau. Hein? Merci, général, que tu es capable de faire un Ozawana po onobelaka. Oyebisaka quand même population oyebite makambo eleka dans le sud. Mais mes frères et sœurs, ma congolais na bisha Brazzaville, du nord au sud, de l'est et l'ouest. Faut voyer que la guerre de 98, c'est fut le plus et ça qui guerre ya monene ko leka tous les trois guerres au bisoto Ozawana Brazzaville. Il y a eu de morts. Bisoto zo qui m'a bandana noyo sable jusqu'à Pont du Trait. Donc voilà qui n'a brouette, moyen de tomber la brouette, et donc de pousser brouette et zaté. Parce que mon frère, quand on l'a tiré à bout portant, il n'était pas mort sur place. Donc on tombe la brouette, ton simi brouette, on tombe la brouette parce qu'il y avait des corps partout. Brouette, moyen pour ça, mon amabelle, zaté. Partout tu passes, va, va, col et zotalana. Hein? C'était le moment que l'on a dit comment un corps peut se décomposer. Les femmes ont été violées. Les petites filles ont été tuées. Hein? Ma papa n'a ma maman, ma zone papa, ma zone l'alice, elle est à moi, si. Tout ça là, va traumatiser. Il y a des gens qui s'est suicidé. Comme a dit le général Keteka, toute personne qui est morte dans la période de la guerre, Ezali, Motoana, Azali, à sa victime à guerre. Hein? J'ai eu un ami qui était très intelligent, un homme, un garçon très doué. Hein? À l'âge de 17 ans, il avait déjà fini son université. Mais à qui ma guerre, à comme il y a un na boko, à quel koufa? Parce que quoi, il n'y a pas eu de médicaments. Comment on va appeler ça? S'il était chez lui, il avait la paix, il devait mourir. Oh, papa. Vraiment, pour mon frère. Osan a Brazzaville, na Landakayo a deux fois. Mais Zala Mayele. Sassou, Aza immortel qui a Koufa. Il n'y a pas eu un président plus fort, plus puissant que Mobutu. Mais il est où aujourd'hui? Où sont les enfants de Mobutu? Estimez-vous heureux de l'obosolia Mboba Sassou. Mais faites-vous des amis parce que quand Sassou va partir, vous tous là, vous serez exterminés. Faut savoir. Passez-moi le message là. Faut savoir, il y a des blessés de guerre partout, dans le monde entier. Nanazo, le balaropé, son boga nasalité. Et là où nous sommes, nous finançons les gens qui se. Oh, et bah, ils défendent le boga nabiso. Nous finançons les gens là. Soit que la yo qui place son bason, c'est la crise. On pèse un bon pour aller pour le bon, on s'en a la repé ça. Si un jour aussi j'apprenais. Qu'il y a quelqu'un qui s'est levé là, que les autres canguinagnons s'assoient, tout transporté, dans les maïtines devant l'ONU, donc on participe. Donc Sassou s'est fait des ennemis partout. Bah, on t'a bien allé aux États-Unis, non? Tu penses que non, non, surtout là, parce qu'il ne peut pas corrompre les Américains. Hein? Voilà pourquoi il est là avec des Français. Parce que Bélé, Bazan, en France, va quoi le battre? Parce que Bélé, Bazan, aux États-Unis, Bazan, le battre? Il y a beaucoup de Congolais dans tous les coins du monde. Des blessés de guerre. Hein? Après la guerre de 98, le but de Larry était seulement de quitter le pays. Parce qu'on a subi des atrocités. Mais il n'y a pas eu de génocide. L'homme a l'iné, c'est un peu de temps. On a mis son aïe. 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 Tu n'as même pas les démarches d'un homme. Poli. Bon, la guerre à 98, hein? Tu ne connais rien. Je ne sais même pas là où tu étais. Mais moi, j'ai fait traverser tes frères. Pour te dire que dans la rue, il y a beaucoup de bazar hospitalier. Tout ça n'a rempli le col à binoté. Nous avons salé là 5 personnes. Ma faux identité. Ma acte de naissance va te péter en moi comme on a vu ça. Ton traversant, ma maman, ton kimisi bango. Parce que Bazalaki, Batemoko Bazalaki, proche à et à présidentielle. Hein? Pour ça, il était ma mabé. Pour ça, bon, Bazalaki, parce que vous n'avez pas de bagages dans votre tête, vous n'avez pas étudié. Vous n'avez rien. Voilà pourquoi vous encouragez papa à n'a à pouvoir. Hein? Lui-même, il est fatigué. S'il dépendait de lui, il n'a qu'un acte de retraite. Mais vous êtes bon, voilà, parce que vous avez dit que ce qu'il a accueilli, lui, il n'a pas besoin de côté. Il y aura la restitution.
Pour vous, il y a quand même vraiment un respect envers les morts. Hein? Les accueils comme ça, la vidéo, sur le bon, non, je m'excuse, je demande pardon. Ceux qui n'ont pas dit, n'a pas eu, famille en général, TTK. Hein? On a suivi ton papa, oh, ils ont soutenu, voilà, ça se fout. Il y a mon grand commis, ça, moi, là, là, dit, mais regarde-lui comment il était en train de pleurer. Hein? Il pleurait comme une femme. Je n'ai jamais vu un homme pleurer comme ça. Hein? Les gens ont Alzheimer, mais vous êtes là en train de les regarder, de les garder au pouvoir. Sa femme là, elle était malade. Quand t'as la vidéo, oh le maman qui est dans la pour que remercier Nanyo. A que c'est ma merci pour Aouta qui est malade. Si c'est une femme honnête, alors on y a coûté Nango. C'est Dieu qui l'a envoyé à la vie pour les loyers pour témoigner. Alors la maman il est dans le pouvoir, mais elle aussi bête qu'elle est, elle s'est pris encore dans le dans l'autre là. Dieu est en train de vous laisser une chance. Ce qui vous a maillé, vous salez la paix pour que le poule va oublier. Faisons la paix et mon longo avec calme. Mais si vous insistez, vous tirez la canne à pouvoir. À terme, vous avez mis dans la monde quitté. Il y a pas que nous avons peur à couper quand on a mis en l'indigne. Vous salez très attention. Sassou, Azam Moto. Son corps s'affaiblit. L'homme y a Kokoufa. On va la voir vos kilos. On va la voir yo. Tu t'es fait des ennemis partout. Même un gars qui n'a moni, ceux qui n'a moni moi, on a bête. Parce que nous avons un peu comme une nouvelle mort. On y a qu'on s'appelle Sabato. Tu veux en mascarer, on y a qu'on s'appelle Sabato. On s'en la mascara. Tout juste pour on y a, on vit sali boumounayo. Hein? Je vois même pas qu'est-ce que tu as. Yo motosa monte à pouvoir. Un journaliste ya baso tina yako le baba usoba. Tala kama anda kono ndenge zali. Na ba rido ya bweba. Hein? Soba papa moko boy. Général Keteka. A des fois faut même pas répondre na ba baso soba oy. Mais faut savoir le monde connaît ce que Sassou a fait. Le monde sait ce que Sassou a fait. Et on n'oublierait jamais. On pardonne, mais ton combo sanate. Aujourd'hui, Nali n'a pas encore la nazon botabana nanga. Et ceux qui m'ont tout n'a d'où je viens, je vais raconter l'histoire. L'événement de l'autre, les récits des événements passés. N'a qu'on raconté en gros. Ton combo saname, ton pardonné, mais ton combo sanate. Puis on va, oh, on a perdu, j'ai perdu mon frère. Il avait que 23 ans. Un jeune qui ne parlait même pas. Hein? Moi, c'est Azali Mboshi. À Pontanande, on a eu un mois, Mboshi. On vivait avec notre belle-sœur en harmonie. Mais ça va, oh, t'as un cola, t'as un tangana Mboshi, place mon corps, t'as un lien, place mon corps. Hein? Nana Kangan, Nani Sassou, le veto à rouge. T'as voyé qu'on inaugurait Nani le pont du Dieu. Nakana est le veto. Batsama, la première ligne, t'as eu un ato, t'as eu un papa Denez, Nakéi, Nakani, le veto. Moi, la moussou, ça y est, sa fleur. Congolais Azali Motomokaza facile. Le Congolais ne cherche rien, mon frère. Et nous, quand on se voit, ils allient paix, stabilité dans Mboka. Mais stabilité à Wazawa, puis côté Moko. Hein? Motel à côté Moko. A Kangi, tous les usines qui étaient à Brazzaville. Ma Kambouza est belle à Koloba. Mais la Yaki Kakapona Loba. Ceux qui m'ont l'extérieur vidéo, Nanoyo, Force Oyo. Dabo kilo yo. Y'a kaka na ba message. Oh yo zo mwana ke non. Ceux qui peuvent le pas yo ki amo ego édifié. Mais ne viens pas, oya koloba makambo, oh yo yébite. Si tu ne connais pas le mot génocide, prends les livres, relis encore. Je t'apprends ceci, que ton père Sassou, a même ba étranger na mboka na ye. Moi mboka oya mouke, poa ko bomisa ba ndeko na ye. On est un génocide. Hein? Oh, vous allez voir, ça soit son salaire, ça soit ton salaire. Mais ce sont des plans qui étaient conçus depuis. Les gens ont tombé dans la salle depuis là. Hein? Vous avez barré la porte à Lissouba. Lissouba, il était venu avec les bonnes idées. Les gens, Lissouba, le roi pour la ligne, c'est le problème du pétrole. Parce qu'il a voulu vendre du pétrole aux Américains. Et les Français ont vu que ce parti garde en Amérique et ils n'auront plus rien. Voilà pourquoi ma zone s'est Sassou. Renseigne-toi de l'histoire. Sauve à papa mon convoi.
Ne parlez pas de la guerre de 98. Vous n'avez rien subi. Nous tous là, nous sommes des blessés de guerre. Comme notre, dit notre soeur Mireille Lafine, blessée de guerre. Quand une personne s'appelle blessée de guerre, hein? Donc à Moni Makambo, Motemane Zoka, vous faites très attention. Il y a des enfants qui sont des blessés de guerre, comme nous là. On est des blessés de guerre. On a perdu des familles, on a perdu des cousines. J'ai eu une cousine, oh bah je suis en otage. Une fille de 14 ans, tellement elle était belle. Ma fille est en otage. Et pas à Cobra. Ma canille est à comme moi, c'est Nabango. Hein? Moi qui parle là, moi j'ai soigné. N'a pas dit la place, ma zone soignée au bon Camille. Parce que ma combo n'a pas dit, c'est clair, ce qui est fini, il n'y a pas de soucoufa. Les gens n'ont pas de soucoufa dans le site à Boka. Osa ma paix. Voilà, chers compatriotes. En tout cas, Minomogo Wolandi, Boyo Kindenge, Sora Utakoloba, Makambo Itali, ma crime de sang, Oya Sassou de sang 1998. Pourquoi j'ai laissé passer cette vidéo-là, chers compatriotes? C'est comme elle venait de dire. Alors, il y a un Congolais à Bosanaka. Congolais à Bosanaka. Et c'est pour cela que, chers compatriotes, on s'est toujours fait avoir par Denis Sassou Nguesso parce qu'on oublie tellement vite. Mais autre chose aussi qu'elle a évoqué, le Congolais n'est pas difficile. Hein? Le Congolais n'est pas difficile. Le Congolais, il suffit que son salaire est payé. Le Congolais, ce n'est pas un homme violent. Les Congolais ne sont pas violents. Les Congolais ne baignent pas dans la violence. Il suffit qu'il ait le manger. Le salaire est versé. Le Congolais, il n'est pas difficile. Mais aujourd'hui, tout ce qu'elle a eu à expliquer, là, elle avait été témoin de ces événements-là à Brazzaville. Nous autres, là, on était là. Mais dans son récit, c'est clair et net. Ce qu'elle avait eu à expliquer, ce n'est pas de mensonge. Effectivement, Oko Camille était déjà mort à Brazzaville. Il fallait faire semblant. Moi, le témoignage aussi, je le tiens d'un ancien cobra qui est ici en France. On l'avait évacué à Libreville, mais il était déjà décédé. Oko Camille marié à une femme du Poule. Oko Camille. Chers compatriotes, Bakwa babwa na kakale bake talabeto bake zonza ka est ma congolais ba zone bois là bas ou ba zone ve bois là bas est-ce qu'ils sont bien conscients que bois là bas ou yake yakube ba ou yake ve yakube ba bakwa babwa na kakale talabeto mais nous mêmes congolais on dirait bête que talabé d'abord était à bois là beto on dirait que nous mêmes congolais on oublie même ba bi voix ma et bois là beto. Nous-mêmes, Congolais, on ne prend pas les choses au sérieux. Vous croyez que ni ma banque boit la caca qui se noie une bête, façon de zonza. Non. Sassou, là, il a nommé son fils ministre, comme vous expliquez dans la vidéo de l'Outaïda. Mais, chers compatriotes, façon de zonza, ça fait longtemps que zonzi la yao. Là, il y a caca qui me trompe. Bah mais pas Mouka. Donc Kiki, ministre. Ah, Kiki, ministre. Ah donc oui, donc Kiki vient de remplacer Tateyane. Mais depuis longtemps, on vous le dit. Depuis longtemps, vous êtes Zonzayao. Donc, ben, Kaka, quand il m'a dit pas Mouka, donc Kiki est beaucoup ministre. Ah donc Kiki vient de remplacer Tateyane. Elle vient de remplacer Tateyane. Mais moi, depuis longtemps, j'en parle. Ben, Kaka aussi, depuis longtemps, elle a dénoncé Kiao. Mais là aussi, ce que je venais de dire, c'est pas pour rien aussi, Sassou Nguesso met tout lien. N'a pas ce mot, c'est stratégique. Ministre de la coopération. Donc, elle qui voyageait. N'a pas eu si elle nous aime qui va soigner son image. Il va coopérer. Elle qui pense bon. Je vais vous informer sur ce que une petite belle mes âmes fait. D'après ma source amour. D'après ma source amour. Kiki Belgetala, elle qui
Elle est salva action à boire. Kiki a été basse en bon. Comme ça, va bantu zoliandi. Kiki va distribuer de l'argent. Kiki va voyager en tant que dans le cadre. Regarde, le ministre, déjà, il le faisait. Il m'a dit, mais oh, c'est pas perspective d'avenir d'abord à Dolizy. Donc, il faut un jeu de mots, sinon. À Dolizy, il élève à Dolizy, il m'a créé à Kiki. Mais je n'ai pas de foyer du jeune là. Mais Kiki va sortir l'argent pour que le peuple zoléandi, pour son image à l'intérieur du pays, Kiki va donner de l'argent. À l'extérieur, quand il va voyager, c'est pour son image. Pour embellir son image. Pourquoi Mabidine va zoléandi comme ministre de la coopération? Il va coopérer, comme j'avais expliqué dans la vidéo de Moutane. Si elle me négocie bien là-bas anglais, là-bas américain, bah français n'en parlons plus parce que Babuzo va français avec mes abats, là-bas belge, là-bas italien. Au moment venu, l'air tatane qui est placé en Kuna, ces pays-là ne vont rien dire. Puisque lui, en tant que ministre de la coopération, il a bien travaillé, il a bien un peu amadoué tous ces mondes-là. À l'intérieur de notre pays, bah, quand on suit ma résolution, puisque Kiki aurait déjà eu à distribuer de l'argent. De gauche à droite. Est-ce que Betkin a pensé? Mais vous ne savez pas le danger qu'il y a derrière. Je l'avais eu aussi à expliquer. Je ne cache rien quand j'ai des informations ou quand moi-même je sais d'être là concentré, normalement, au bois, là, de réfléchir pour trouver des réponses à des questions que je me pose moi-même. Mais je vais vous dire une chose encore. Le danger, vous ne le voyez pas. Sa maman était Balouba, non? Tshisekedi, il est Balouba, non? Kiki et Tshisekedi sont déjà vus à plusieurs reprises. On ne serait pas envahi par les Balouba. Déjà, quand il était à la SNPC, Kiki avait introduit bon nombre des Zéiwa là-bas. Vous croyez qu'aujourd'hui, comme je l'avais dit, là, plus de 18 millions à la capitale Kinshasa. Mais vous savez que si Kiki il s'installe au Congo-Brazzaville, mais il va s'appuyer sur la RDC. Je dis, je répète encore, Kiki va s'appuyer sur la RDC. Il va s'appuyer sur la RDC. Maintenant, dites-moi, Kiki au pouvoir, déjà qu'ils sont nombreux les gens de la RDC à Brazzaville, si Kiki au pouvoir, qui rentre encore en masse à Brazzaville, dites-moi, vous croyez que c'est Kiki qui va prendre une décision qu'on expulse ceux de la RDC, parce qu'ils sont tellement nombreux à Brazzaville. C'est une menace intérieure. Menace, moi, c'est un ennemi. Comment ça se fait que, déjà dans un pays, où on nous dit, vous êtes de 5, plus de 5 millions, 5 millions, ça, on sait bien que ça sont des choses contre les étrangers. Mais si on fait le vrai recensement, mais les étrangers sont peut-être déjà à plus de combien de millions? Si les étrangers sont déjà à plus de 2 millions, dans notre pays. Si les étrangers sont déjà à plus de 2 millions, ou même que ce soit 1 million, c'est un danger. C'est un danger pour le peuple congolais. C'est un danger sur beaucoup de choses, sur notre culture. Même si ce sont nos frères de la RDC, un exemple, mais nous n'avons pas la même mentalité. Même si en RDC, il y a aussi des Bakongo. Oui, nous sommes des Bakongo. Ça, c'est autre chose. Nous avons les mêmes visions. On parle la même langue, nous sommes des Bakongo. Ça, c'est vrai. Mais les Bakongo de Kinshasa n'ont pas aussi les mêmes mentalités que les Bangala. Ça, Mwandasem, il explique aussi. Les Bakongo de la RDC, oui, ce sont nos frères, nous sommes des Bakongo. Mais les Bakongo, nous, les Bakongo sont RDC, n'ont pas la même mentalité que les Bangala. Mwandasem, il avait largement expliqué. Maintenant, nous autres là, si tous ces étrangers là déferlent encore à Brazzaville, mais il n'y aura plus notre culture, nous n'allons plus exister. Qu'est-ce que nous allons devenir? Et quand on prend tout le temps de pouvoir expliquer aux Congolais, pour prendre conscience, là regardez. Regardez cette vidéo qu'on m'a envoyée. Oh, je l'ai appris que c'est
des gens qui voulaient se rendre en Europe. Triste à voir cela. Mais en passant par le Nigeria, on les a arrêtés parce qu'ils ne sont pas des Nigériens. Mais voilà comment ils se sont fait tabasser. Regarde. Je ne veux pas aller au bout de la vidéo, c'est tellement une façon de dire, c'est tellement cruel, bon, voilà quoi. Mais bon, d'après le commentaire qui m'avait été envoyé, bon, c'est des gens qui ont voulu passer par le Nigeria pour aller, en gros, aller vers l'Algérie, tout ça pour arriver en Europe. Bon, mais c'est le commentaire qui m'avait été envoyé, donc d'après l'information qui m'a été donnée, voilà, donc c'est tellement cruel, je préfère passer à autre chose parce que tout ça, c'est énervant. Bon, mais le problème, si... nous sommes arrivés là, si les Congolais sont si les Africains sont arrivés à ce stade là, c'est qu'il y a bien des gens qui sont responsables. La France, on est déjà responsable parce que la France maintient ces dictateurs là au pouvoir, tout ça pour nous endormir, tout ça pour que ces dictateurs là puissent encore voler de l'argent pour leurs intérêts. Alors chers compatriotes, voilà le Congo de Sassou Nguesso. Denis, j'espère que vous avez gagné. Les Sassus, j'espère que vous avez gagné parce que je sais, je profite encore au moment où vous êtes encore là, ici, en France, pour que ça dans la vidéo, n'a pas comme la vérité, parce que vous avez gagné beaucoup de l'Anda. D'abord, nous avons gagné, vous avez gagné, mais le fait que vous êtes encore ici, en France, là, ça soit ton entourage, comme ça, ma vidéo, et comme la vidéo bien pour là, vous avez bien dans ma vidéo, dans ma message, dans la zone. Regardez-vous-même, chers compatriotes, vidéo, sous la zone chat. Regardez. Regardez. Voilà. Donc ça, c'est Bininga, il est là. Regardez bien. Bininga. Bininga. Donc ce Bininga là, vrai Kininga. Donc Kininga oh. Sassou c'est notre père. Regardez. Alors vous voulez bâtir le Congo avec des gens comme ça. Et quand certaines personnes, je reviens encore, quand on vous dit USK, USK, nous demandons que le Sud soit uni. Je le dis encore, pour la préservation de nos terres, de nos vies, pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, pour aussi préserver aussi nos matières premières. Nous devons être unis dans le Sud. Quand vous avez des gens qui vous tiennent les têtes pour là, Bininga ou Kininga, bon, je préfère l'appeler même Kininga, au lieu de dire Bininga, donc il s'appelle Ange, mais il n'est pas Ange, il est démon. Ange aimé, non mais il n'est pas aimé, il est mal aimé. Wilfried, oh, Wilfried Bininga. Non, je dirais même Kininga. Regardez, il est là. Regardez bien. Regardez bien le visage de ce monsieur-là. Parce que tout simplement, j'aurais appris qu'il est marié à une nièce ou à la fille de Sassou. Donc c'est ça. À une nièce ou à la fille de Sassou qu'il est marié. Et celui qui dit, Sassou c'est notre père. Sassou c'est notre papa. Et vous croyez que vous allez construire le Congo avec des gens comme ça? Je poursuis, cher compatriote. Regardez. Donc, et quand il parlait comme ça, Imbombo était à côté, Jean-Richard et toi étaient à côté, et ça, vous croyez que ça, la souffrance des étudiants, la souffrance de tout ce monde-là, des retraités, des Congolais qui sont à l'extérieur, c'est pas leur problème. Eux, ça ne leur regarde pas. C'est pas leur problème. Vous pouvez mourir de faim. Les Congolais pouvaient quitter, fuir le pays. Les vrais Congolais sortent du pays. Sortent du pays. Et on est remplacé par des étrangers.
Ça, je l'ai toujours dit, je le redis encore. Ce n'est que la vérité. On est remplacé par des étrangers dont eux donnent la nationalité congolaise. Congolais. Fongola Miso. Congolais. Kelema. Bundela Mboka. Là où nous sommes, dans ces pays-là, Tosakawa Paya. En France, ce qui est vraiment aberrant et écœurant en même temps, c'est de constater qu'il y a nos frères, certaines personnes, parce qu'ils ont pris le papier d'ici, pour eux, ils se considèrent étant comme ici. Ah, moi, j'ai ma petite vie ici, j'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai tout ce qu'il faut ici, donc je suis chez moi. Oui, il y a des Congolais qui parlent dans ce sens-là. Il y a des Congolais dans le Bagabongo. C'est vraiment triste. Ça montre bien que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Ça montre bien que vous n'avez rien compris. Regardez ce qu'on va trop. Vraiment, c'est ces jeunes-là. C'est ces jeunes-là qui sont venus nous avertir. Ils ont arrêté le train. Ils nous ont avertis pour nous dire que la route est vraiment en mauvais état. Si nous était leur présence, on allait vraiment tomber dans ce sinistre. Regardez vraiment l'état de la route. Tel que vous le voyez, les images par d'elles-mêmes. Les rails sont suspendus. Ils sont suspendus. Les rails sont vraiment suspendus. Vraiment, c'est ces jeunes-là. C'est ces jeunes-là qui sont venus nous avertir. Ils ont arrêté le train. Chemin de fer. Congo-Océan. Rien. Rien. Rien n'a été fait. Rien. Chemin de fer Congo-Océan. Regardez. Et le Congo dans cet état-là, ça n'indigne pas certaines personnes. Ça ne dit absolument rien à certaines personnes. Et vous trouvez que c'est normal qu'on ne puisse pas parler. Et vous trouvez que c'est normal qu'on ne puisse pas dénoncer. Et quand certaines personnes parlent, dénoncent la gestion chaotique. Là, Sassou Nguesso est arrivé ici avec plus de 150 personnes de sa délégation. Plus de 150 personnes de sa délégation. Et avec des filles dont on surnomme les suites présidentielles dans sa délégation. Tout ça pour quoi faire? Tout ça pour quoi faire? Congolais, Telema, Congolais Fungola Miso, Congolais Van Namayeli. Parce que trop c'est trop. Congolais parce que trop c'est trop. Chers compatriotes, je suis arrivé au stade où j'avais préparé quelque chose pour vous montrer une vidéo d'un président que l'Afrique a perdu. Quand je dis d'un président que l'Afrique a perdu, je dis bien que l'Afrique a perdu. Un monsieur que je respectais beaucoup, un président qui ne voyageait pratiquement pas à l'extérieur, pendant ces 5 années de la présidence, il n'avait pas voyagé à l'extérieur, que à l'intérieur de son pays. À l'extérieur, oui, pas en Europe, pas en Occident. Il avait seulement voyagé dans les pays d'Afrique, quelques pays d'Afrique, c'est tout. Pas en Occident. Il était resté à travailler pendant ces 5 années dans son pays, et à prendre des mesures pour faire changer la mentalité de la population tanzanienne. Le président que nous pleurons, nous, Africains, qui suivons un peu la politique africaine, le président Magufuli de Tanzanie, chers compatriotes, voilà la vidéo. En 5 ans de pouvoir, il n'a pas effectué un seul. Je félicite mon compatriote africain qui a fait tout ce travail-là, en faisant le montage de cette vidéo. En tout cas, j'ai apprécié le travail. Je vais vous faire voir la vidéo chez Compatron. Suivez très attentivement le travail que M. Magufuli avait effectué pendant le temps qu'il était au pouvoir. Il est décédé il n'y a pas très longtemps, paix à son âme. Mais la question que je me pose jusqu'aujourd'hui, s'il n'avait pas été empoisonné, je dis bien, s'il n'avait pas été empoisonné, suivez très attentivement chez Compatron. En 5 ans de pouvoir, il n'a pas effectué un seul voyage
en dehors de son pays, allant en Europe. En 5 ans de pouvoir, pas un seul voyage pour aller en Europe, pour aller voir des investisseurs. Il n'a pas fait tout ça là. En 5 ans de pouvoir, il est resté en Afrique. Il a fait des voyages au Rwanda, voyage en Mozambique, voyage en Éthiopie, voyage en Ouganda. Il n'est pas allé en Europe, pas une seule fois. Il a reconstruit son pays avec l'argent du contribuable. Il n'est pas allé demander de dette. Il n'est pas sorti aller demander de dette ailleurs. Il a construit le pays, il a reconstruit les routes, les marchés, reconstruit les institutions avec l'argent du pays. Donc on n'a pas nécessairement besoin d'aller ailleurs pour chercher de l'aide, à moins que ce soit une raison, des excuses justement, ou pour des intérêts personnels. John Pombe Magufuli a prouvé aux gens qu'on n'a pas besoin d'aide externe, pas nécessairement, pour progresser, ou au moins faire un pas vers le progrès. Pas un seul voyage. Pendant ce temps, comme vous le savez, beaucoup de gens sans capacité cérébrale, mieux que vous, sont bien assis en politique. Ils sont députés, on les voit, hein, ministres, des gens qui ne sont pas nécessairement mieux que vous. Comprenons dans quelle direction. Comment est-il mort? L'une des raisons principales pour laquelle l'Afrique a du mal à avancer, c'est parce que des gens intelligents comme vous ne s'intéressent pas à la politique. C'est les aboutis souvent qui sont bien placés. C'est les aboutis qui font des vidéos sur la politique, défendant l'indéfendable, des bêtises. Vous savez, il n'y a pas de mauvais peuple. Le mauvais peuple n'existe pas. Il n'y a que des mauvais leaders. Quand le leader est bien dans ses bottes, le leader est fort, le peuple devient fort. Quand le leader est stupide, la population suit. Les gens ne font que exactement ce que font leurs leaders. Exactement. C'est un peu comme dans la maison. Les enfants sont généralement le reflet de leur papa ou de la discipline qu'ils reçoivent à la maison. Un homme qui bat sa femme, très souvent vous remarquerez, son papa battait sa mère. Ou n'a jamais eu de papa carrément. Le peuple reflète l'image du leader. Quelqu'un disait, chaque peuple reçoit le leader qu'il mérite. C'est pas faux. C'est très facile d'accuser le leader, oubliant que le leader... Oh. Excusez-moi, cher compatriote. Excusez-moi. Excusez-moi, cher compatriote, j'ai reçu un appel, c'est pour ça que ça a coupé. Excusez-moi, cher compatriote. Je vais essayer de reprendre la vidéo. Veuillez m'excuser, cher compatriote. Je vais essayer de reprendre la vidéo. J'ai reçu un appel au même moment, et c'est pour ça que ça a coupé, donc voilà quoi. En 5 ans de pouvoir, il n'a pas effectué un... Était-il extraordinaire? On y va. En 2015, John Pombe Magufuli, le président tanzanien, l'ex-président tanzanien, entre au pouvoir et on organise une fête annuelle, la fête de l'indépendance, que vous connaissez certainement chez vous aussi. La fête que les Africains ont chaque année pour célébrer leur indépendance, entre parenthèses. Une indépendance inexistante. Bref, pour organiser la fête de l'indépendance, il fallait dépenser beaucoup d'argent pour faire la fête, évidemment. Et John Pombe Magufuli dit niet. Il n'y aura pas de fête. Il n'y aura pas de fête tant que les populations tanzaniennes seront en train de mourir de choléra. Parce qu'à l'époque, d'après lui, il y avait des personnes qui mouraient de choléra. Après avoir fourni quelques recherches, on a découvert qu'il y avait à peine une septantaine de personnes mourant de choléra à l'époque. Et il a dit qu'il n'y aura pas de fête des célébrations de l'indépendance tant que les Tanzaniens mourront de choléra. Il a supprimé cet événement. Mais qu'est-ce qu'il a proposé en retour? Au lieu de dépenser de l'argent qu'il fallait dépenser dans les salles, dans les fêtes, vous savez, les Africains adorent les fêtes, il a bloqué les dépenses des millions de dollars pour investir cet argent dans la construction de la route venant de Morocco à Mwenge, pour ainsi diminuer l'embouteillage qui se présentait chaque soir. Donc au lieu de dépenser l'argent dans la fête, comme le font généralement les présidents africains qui adorent les fêtes, les célébrations et l'honneur, il a dit qu'il n'y aura pas de fête. On prendra cet argent de fête et on va dépenser ça pour la reconstruction de la route de Morocco à Mwenge pour éviter l'embouteillage. Qu'est-ce qu'il propose en contrepartie? Il dit que chaque Tanzanien se présente dans les rues de Tanzanie, les rues de leur ville, et commence à nettoyer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé comme un vrai leader. Il est descendu lui-même sur terrain et a commencé à nettoyer. Vous imaginez un peu, un président de la République qui descend dans les rues et commence à nettoyer, enlever la saleté avec ses mains, s'il vous plaît. Des choses que beaucoup de personnes n'oseraient pas faire. Beaucoup de personnes sont beaucoup trop... Vous savez, les politiciens africains, vous remarquerez, aujourd'hui sont d'ailleurs beaucoup trop grands pour porter leur propre sac. Même pour porter son sac, il faut qu'il y ait un, là, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Un parapluie ou il faut que quelqu'un porte ça. Mais le président tanzanien, John Pombe Magufuli, docteur en chimie, s'il vous plaît, s'est présent dans les rues et commence à nettoyer avec ses mains. Enlève les poubelles. Et tout le monde, évidemment, quand le leader est mort, tout le monde le suit. Et s'est présenté après lui, les membres du gouvernement, les enseignants, les travailleurs civils et toute la population se joint à lui pour faire un travail pour son pays. Maintenant, demandez à votre président ou vos politiciens, parlementaires et députés, de descendre dans les rues et nettoyer. Non, c'est... Comment voulez-vous que la population respecte la propreté, l'hygiène, la salubrité mentale et physique si les politiciens ne peuvent pas montrer le chemin? Ce n'est pas le peuple. Le leadership est très important. Les enfants ne font que ce que le papa fait. Le
président tanzanien John Pombe Magufuli, mon président que je respecterai pour toujours, a banni tous les vols, tout déplacement international des membres du gouvernement. C'est-à-dire tout déplacement international, tout vol international banni complètement. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, pourquoi envoyer des gens à l'étranger si nous avons des représentants à l'étranger ? C'est-à-dire s'il y a des choses à faire à l'étranger, appelez l'ambassadeur. Demandez à l'ambassadeur d'effectuer ce qu'il y a effectué comme négociation, comme discussion avec leur contrepartie, leur collaborateur à l'étranger. Il dit qu'il n'y aura plus de voyage international des membres du gouvernement. Vous savez, dans beaucoup de pays, les gens n'attendent que ça. Pas qu'un petit rien là, on veut aller faire un voyage en Suisse, on veut faire aller voyage en France. Les membres du gouvernement, de manière très inutile, vont en Suisse, vont en France avec l'argent du contribuable. John Pombe Magufuli bannit les voyages internationaux pour préserver l'argent du contribuable. Il dit pour tout voyage international, faites appel à l'ambassadeur pour vous représenter. Ou si c'est nécessaire, si c'est urgent, si c'est sine qua non, alors il faudrait une autorisation officielle, soit de lui-même, de son adjoint, tierce personne qui était consacrée à cet égard. Le 31 novembre 2015, 50 membres du gouvernement tanzanien partaient en voyage de Commonwealth. Commonwealth, c'est l'ensemble des pays colonisés par la Grande-Bretagne qui se réunissent toujours, ils ont leur organisation. Vous savez. Alors, 50 personnes, membres du gouvernement, étaient censés partir dans ce voyage. Il a réduit cette délégation à 4 personnes. De 50 à 4, imaginez-vous. Donc, vous savez, les Noirs, quand ils vont en voyage, c'est souvent conseiller numéro 1, deuxième conseiller chargé de la patte, troisième conseiller chargé des papiers, cinquième conseiller chargé des filatures. C'est en fait le nombre de conseillers est incroyable. Il a réduit de 50 personnes à 4 personnes. C'est un peu comme ce qu'on voit très souvent dans certains pays ici d'Afrique. Les sportifs sont censés partir faire leurs prestations de sport, mais les sportifs ne partent pas. Ceux qui partent sont les membres de famille, des gens de l'organisation du sport, qui vont finalement se tailler ou se tirer et ne plus jamais rentrer. Incroyable. John Magufuli a méticuleusement transformé cela. De 50 personnes à 4 personnes de délégation. Il a aussi banni les voyages en première classe. C'est-à-dire, vous voulez faire un voyage à l'étranger, pas besoin de partir en première classe ou business class. Tout le monde, économie. Et ça me rappelle le grand Thomas Sankara, qui disait que vous soyez en première classe ou en économie, quand l'avion décolle, bon, c'est tout le monde qui décolle. Hein. Et quand l'avion atterrit, tout le monde atterrit à la fois. Et c'était ça le concept de John Pombe Magufuli, dans le but de garder, d'économiser de l'argent. Il a ainsi économisé des millions de dollars en tickets, en logements, en nourriture, en perdus. Tout le monde partait en économie, en tout cas parmi les membres du gouvernement. Les seules personnes qui pouvaient voyager en first ou business class étaient le président lui-même, son adjoint, le vice-président et le premier ministre. Voilà comment a procédé John Magufuli pour changer la mentalité des Tanzaniens. Bulldozer John Pombe Magufuli a interdit tout rassemblement, réunion ou fêtard ou tout meeting des membres du gouvernement dans les hôtels chers. Vous savez, les Africains, ils adorent ça. Quand on fait partie du gouvernement ou on est député, on va se réunir dans certains endroits. Les endroits les plus payés de la ville. Évidemment, on ne paye pas de son argent. C'est l'argent du contribuable. Il a interdit tout ce fait. Vous voulez faire des réunions, des meetings, des rassemblements, faites-les dans vos bureaux. Vous avez des salles de réunion. Épargnons ainsi le pays. Les dépenses inutiles dans les boissons, les champagnes, vous savez comment ça se passe, la nourriture, les gâteaux, pendant qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ont véritablement besoin d'aide. Et cet argent pourrait servir de tremplin pour changer leur situation. Il a dit, si vous êtes politicien et vous avez faim, mangez à la maison, après vous être rassasié, ensuite venez à la réunion. Voilà. Beaucoup n'ont pas aimé ça, évidemment. John Pombe Magufuli, juste après avoir été élu comme président de la Tanzanie, est parti faire une visite surprise à l'hôpital Muhimbili. Muhimbili, c'est le plus grand hôpital de l'État. Il est parti en visite surprise. Il est parti dans les corridors où personne ne part. Vous savez comment ça fonctionne. Quand vous invitez une autorité, vous montrez les parties les plus propres, n'est-ce pas? Ah, ici c'est bien, on peut montrer là, on peut montrer. Mais lui, il voulait pas ça. C'est lui qui dirige. Moi, je vais partir par ici. Je vais aller de l'autre côté. Et étant lui-même docteur en chimie, c'est une personne qui comprend tout à fait le fonctionnement d'un hôpital. Et il a trouvé les machines de scannage, comment vous appelez ça, CAT scan, CT scan, c'est quoi en français, je ne sais plus. Bref, vous allez compléter ça, j'ai oublié. Ça ne fonctionnait pas. Il a demandé au médecin directeur pourquoi ça ne fonctionne pas. Le médecin directeur n'avait pas de réponse. Il a viré le médecin directeur. À cause de la saleté, des difficultés, le manque de matelas. Il y avait évidemment un compte prévu pour toutes ces histoires. Mais ce compte était bousillé. Évidemment, comme nous sommes champions, on adore l'argent, on fait tout pour l'argent. Certains parmi nous même vendraient leur mère, on le sait. Voilà, on a bousillé l'argent du contribuable destiné à soutenir les gens. John Magufuli a viré le médecin directeur et son adjoint. Après avoir engagé quelqu'un d'autre, on les a donné 3 semaines pour réparer tout ce qu'il y avait à réparer. Et en 3 jours, ils avaient tout réparé. Imaginez-vous un peu, en 3 jours, on a tout réparé.
Donc pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui manquait? Il a dit dans 3 semaines, il faut tout réparer, sinon je vous vire aussi. Et en 3 jours, on a tout réparé. Imaginez-vous un peu. En 3 jours, on a tout réparé. Ah, donc c'est possible. Ça avait toujours été possible. Il n'a pas du tout contribué. On n'a pas donné de l'argent pour essayer de réparer tout ça. Il a dit, vous avez 3 semaines pour réparer ça. En 3 jours, ils l'ont fait. Manque de volonté. Manque de bonne moralité. Il n'y a pas de mauvais peuple. C'est le guide qui donne l'idée, la peinture, l'imagerie, le film de l'avenir. Un leader faible crée toujours un peuple faible. Un leader fort, qui n'accepte pas les bêtises, l'abrutissement, le vol, la corruption, élève derrière lui une population forte. Le Parlement tanzanien avait prévu 300 millions de shilling pour organiser une fête de l'État. Et il dit, on va dépenser 25 millions de ces 300 millions pour organiser la fête. On va manger avec les 25 millions. Et le reste, on va utiliser pour acheter des lits pour l'hôpital qu'il avait visité. Et on a acheté 300 lits, des matelas, 600 draps. Incroyable. Ils auraient évidemment bouffé l'argent s'ils n'avaient pas fait ça. Au fait, ça arrive très souvent. Il y a un budget qu'on donne pour tel ou tel élément, un budget pour organiser un événement. Très souvent, on n'atteint jamais le maximum du budget. Disons qu'on a donné un budget d'$1 million, pour simplifier, et l'organisation a coûté $200 000. Vous pensez qu'ils vont rembourser les $800 000? On ne le fait jamais. On ne le fait jamais. Jamais on ne fait ça. On fait un voyage au nom du gouvernement et on remet l'argent qu'il faut. Pourquoi? Mauvaise moralité. Basse moralité. On ne peut pas placer au pouvoir des gens de basse moralité. Le pays n'ira nulle part. Il ne s'agit pas toujours d'avoir des diplômes et de l'intelligence scolaire. Ce n'est pas toujours question de ça. C'est question de moralité aussi pour évoluer dans la vie. Des gens qui n'ont pas fait des grandes études peuvent être des gens convenables pour l'avancement d'un pays ou d'une organisation. Avec l'argent destiné à la fête, on a rétabli l'hôpital pour l'avancement et le bien-être du peuple tanzanien. Au pouvoir, John Magufuli a réduit le nombre de ministères de 30 à 19. Donc il y avait 30 ministères en Tanzanie. Il a réduit cela à 19. Pourquoi? Parce qu'il a compris que 11 étaient inutiles. Malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on fabrique même des postes qui ne servent absolument à rien. Et comme le disait, celui qui devient riche à travers la politique est un voleur. On ne peut pas devenir riche à travers la politique. Exactement. On ne devient pas politicien pour acheter des villas. On devient politicien pour améliorer la vie des gens. Pour changer la condition de vie du peuple. Il a aussi annulé les primes des membres du gouvernement. Vous savez, les membres du gouvernement, dans beaucoup de pays, reçoivent des primes. Il a dit, ces primes servent à quoi? Si vous avez un salaire à la fin du mois. Vous avez été engagé pour un salaire à la fin du mois. Les primes servent à quoi? Et je pense que c'est une très bonne idée. Parce que quand on réduit les salaires des politiciens, c'est là qu'on commence à trier les vrais politiciens. Parce qu'il y a les politiciens qui veulent le bien-être, l'avancement, le développement du peuple. Et les politiciens qui sont là pour s'acheter une villa et une Jeep. Quand il n'y a plus d'argent comme ça, les politiciens qui sont vraiment là pour travailler pour le peuple se présentent. Ils seront les seuls à rester. Les autres iront faire le commerce ou le marchandage quelque part. Parce que leur objectif, c'est de l'argent. Il a annulé les primes des officiels, encourageant d'être satisfaits de leur salaire. Il a aussi dit aux ingénieurs liés à l'État, pourquoi avez-vous besoin d'être roulé dans des voitures V8 qui n'ont absolument rien à voir avec votre travail? Pourquoi avez-vous besoin de rouler dans des voitures V8? Vous êtes ingénieur, il faut chercher des pick-up qui ne sont pas nécessairement V8, qui vont en accord avec votre travail. C'était une personne qui n'était pas là pour s'enrichir. Il était là pour l'amour du peuple. L'éducation civique et morale est primordiale. Au-delà de tout, l'enseignement, l'intelligence, les qualifications, la spiritualité, l'éducation civique et morale est très importante. Sans laquelle, on aura toujours des bandits, des escrocs, des aventuriers, des profiteurs, des opportunistes, des parvenus en politique. John Pombe Magufuli a transformé radicalement son pays en très peu de temps. Un seul mandat, 5 ans, hein, et quelques poussières. Dans d'autres pays, on vous dira, à notre arrivée, le pays était complètement par terre. Donc on a besoin de 20 ans, si pas plus. Il n'avait pas besoin de tout ça. En 5 ans, il a fait des choses énormes. Construit de routes tanzaniennes. L'infrastructure a complètement changé. Le peuple est heureux, content de l'avancement du progrès. Combattu farouchement la corruption. La corruption dans un pays commence au-dessus. Ce ne sont pas les peuples qui font tout ce que vous croyez. Quand les travailleurs savent que le chef est corrompu lui-même, ils comprennent qu'il faut se servir. Mais quand ils savent que quand on est corrompu, on va en prison. On subit des conséquences, on est mis à nu, on est ridiculisé comme on le fait dans un pays de l'Afrique de l'Est. Les gens commencent à changer. Le leader détermine la direction du peuple. John Pombe Magufuli, comme vous le savez, était une personne qui remettait tout en question. Avec l'événement qui s'est passé récemment, vous connaissez très bien, je ne donnerai pas les détails. Il a refusé de s'incliner à l'idée internationale.
voulant ainsi préserver l'intégrité de son peuple et leur indépendance mentale, qui est très important pour la libération d'une nation. Aujourd'hui, nous le célébrons, John Pombe Magufuli, le meilleur président de l'Afrique de sa génération, et pour beaucoup, juste après Thomas Sankara. Beaucoup de gens souhaiteraient avoir des présidents qui... Un homme qui ne s'exprimait qu'en Swahili, qui n'avait pas de complexe, oh, la papier, les travail, il n'a pas de complexe d'article, tout ça, comme les francophones, les francolatres. Il s'exprimait tout le temps en Swahili, sa langue maternelle, pour valoriser sa nation. En 5 ans de pouvoir, il n'a pas effectué un seul voyage en dehors de son pays, allant en Europe. En 5 ans de pouvoir, pas un seul voyage pour aller en Europe, pour aller voir des investisseurs. Il n'a pas fait tout ça là. En 5 ans de pouvoir, il est resté en Afrique. Il a fait des voyages au Rwanda, voyage en Mozambique, voyage en Éthiopie, voyage en Ouganda. Il n'est pas allé en Europe, pas une seule fois. Et il a reconstruit son pays avec l'argent du contribuable. Il n'est pas sorti aller demander des dettes ailleurs. Il a construit le pays, il a reconstruit les routes, les marchés, reconstruit les institutions avec l'argent du pays. John Pombe Magufuli a prouvé aux gens qu'on n'a pas besoin d'aide externe, pas nécessairement, pour progresser, pour au moins faire un pas vers le progrès. Pas un seul voyage hors d'Afrique. Pendant ce temps, comme vous le savez, il y a des gens qui ont trouvé la politique comme une opportunité de voyager. Ah, finalement, je verrai la Tunisie. Finalement, je verrai Singapour. Ce ne sont pas les raisons pour lesquelles on est en politique. L'une des raisons pour lesquelles l'Afrique souffre aujourd'hui, c'est parce que vous, les gens intelligents, ne dites rien. Vous n'êtes pas impliqués. Vous, les gens intelligents, être absent de la scène. Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de votre avenir. Ah oui. Il y a beaucoup de gens moins intelligents qui sont associés à ces instrumentations. Beaucoup de gens sans capacité cérébrale, mieux que vous, sont bien assis en politique. Ils sont députés, on les voit. Ministres. Des gens qui ne sont pas nécessairement mieux que vous. Absolument pas. Soyons impliqués. Comprenons dans quelle direction nous allons. Comment est-il mort? Je ne pourrais malheureusement pas vous le dire. Tout ce qu'on sait, qu'il s'est opposé au statu quo. Et il n'a pas le froid aux yeux pour dire non. Docteur Pombe Magufuli, un homme fort, un homme de foi, un homme de bonne moralité. Alors, merci chers compatriotes. Alors, vous avez suivi vous-même que... Le président alors là merci tonton, c'est gentil. Ah, j'ai un oncle qui est tout le temps à l'écoute. Dès que je suis en direct, dès que j'évoque quel sujet, il va faire des recherches, il m'envoie ça. Alors vraiment merci tonton. Bon voilà. Voilà là voilà. Voilà, c'est monsieur John Magufuli, qui est là. Et mon oncle vient de m'envoyer ça. Ah, c'est bien. Merci hein, à la technologie. Hein. Je suis en direct. À la minute près, mon oncle m'envoie ça en direct. Ça y est là, là. En tout cas, merci. Ah, lui aussi, c'est... Mon oncle, c'est quelqu'un qui aime bien l'histoire. Hein. Il a tout ce qu'il faut. Donc, il vient de m'envoyer tout ce qui concerne la Tanzanie. Donc, monsieur Magufuli, son histoire, sa biographie... Tout est là, là. Je le lirai bien après. Merci beaucoup, l'oncle. C'est gentil. Alors, cher compatriote, Binomogo Boyoki, le récit que mon frère, que j'apprécie beaucoup de la RDC, qui vient de parler sur le président, l'ancien président tanzanien, mais qui avait été empoisonné. Hein. Alors, ça, c'est pas un secret. Il avait été empoisonné. Ça, c'est vrai. Il aurait été empoisonné. Mais, en 5 ans, il n'avait pas voyagé en Europe. En 5 ans. Et il n'avait pas demandé aussi de l'aide au Fonds monétaire international. FMI. Ni à la Banque mondiale. Rien du tout. Il avait seulement expliqué à la population tanzanienne. Ça ne servait à rien d'avoir tant de ministères. Il avait réduit à 19 ministères. Et il avait supprimé les voyages, il avait supprimé un bon nombre de choses. Et ce qu'il a dit là, mon frère, c'est vrai. À la tête, si vous avez quelqu'un de bien, qui a d'abord l'amour du pays, l'amour du peuple, le peuple aussi vivra bien. Le pays aussi ira de l'avant. C'est ce que la vidéo que je viens de vous présenter, chers compatriotes, faites maintenant la comparaison avec le fonctionnement de Sassou.
avec le modèle Sassou Nguesso, avec la façon d'être de Sassou Nguesso. À vous les Sassouistes, à vous, enlevez d'abord votre sentiment personnel. Le fait que, parce que vous êtes fanatique de Sassou, je vous parle en tant que frère. Je vous parle en tant que frère. À vous mes sœurs, vous qui soutenez Sassou Nguesso, enlevez d'abord votre esprit du fanatisme. Bon, tiens, on a nous pémini. Vidéo, on a autre chose là qui ça. Boyo Kanani. Si Sassou avait l'amour du pays, avait l'amour du peuple congolais, je crois que chez nous, au Congo-Brazzaville, comme le président Magufuli et Tanzanie, dès que quelqu'un détourne l'argent du peuple, on l'arrête, on le met en prison, parce que le chef lui-même, il donne l'exemple. Parce que le chef est strict et sévère. Parce que le chef, d'abord, lui-même aussi, il aime le pays, il aime le peuple. Donc, tout ce monde-là va suivre l'exemple du chef. Mais quand la tête est pourrie, tout le bas est pourri. Quand la tête est pourrie, tout le bas est pourri. Mais c'est le cas que nous vivons au Congo-Brazzaville. Si au Congo-Brazzaville, les gens volent dans les caisses de l'État, si les gens ne se gênent pas de détourner des milliards au trésor public, mais parce que lui-même, Sassou, c'est un voleur. C'est pour ça que tout ce monde-là se met aussi à voler. Si aujourd'hui au Congo-Brazzaville, il y a des policiers, des militaires, des gendarmes, bah comment qu'on bombe un bateau à bout portant parce que moto a l'anti masque té on va bien la cacher mais parce qu'à la tête nous avons un assassin, un criminel là où lui Sassou devait être un modèle, un exemple, n'est qu'un mauvais exemple et les autres vont suivre aussi dans le même sens que Sassou le sont. C'est ça la réalité. Sassou n'aime pas le Congo ni le peuple congolais. Et donc il ne faut pas en vouloir à ceux qui parlent de l'unité du Sud, à ceux qui veulent plus s'acheminer avec vous. Il ne faut pas en vouloir. Vous-même, vous savez, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Le pays est à terre. Le Congo est à terre. Boko ici Mboka. Mboka est en appelé. Vous avez ramené les mauvaises choses, les mauvaises pratiques. Ce qui n'est pas dans les habitudes des Congolais. Ce qui n'est pas dans la mentalité congolaise. Reconnaissez-le. Dites-le quand même la vérité. Vous-même, vous le savez, dans votre fort intérieur. J'ai été quand même choqué. J'écoute pas souvent. Mais d'entendre Thierry Mungala sur les ondes de leur radio, la RFI, la radio de la France, radio de la propagande pour des dictateurs africains. Thierry Mungala, en train de faire des éloges à Denis Sassou Nguesso, Denis Christelle. Celui, on l'a nommé ministre parce qu'il a mérité. Si on a nommé Christelle Sassou Nguesso parce qu'il a mérité, c'est pas par rapport à son patronyme. Oh, quel sacrilège. Et des gens comme ça, vous allez dire que Thierry Mungala c'est un intellectuel? Vous allez dire que Thierry Mungala c'est quelqu'un d'intelligent, un cadre? Pas du tout. Pas du tout. Et il y a des gens qui disent, oui, Thierry Mungala, pourquoi? Parce que quand il parle en français, il copie l'accent européen. Parce qu'il copie l'accent européen, c'est de ça. Mais le président Magufuli, il parlait qu'en Swahili. Il n'était pas vachement intelligent, il n'a pas de diplôme, lui. Il parlait qu'en Swahili, pour valoriser sa langue. Le président Magufuli. Parce que Thierry Mungala, c'est qui? Parce qu'il y a des gens qui avaient écrit ça, qui avaient dit ça, oui, Thierry Mungala, attention, lui, quand il parle en français, c'est comme un Européen. Regardez déjà, complexe aux Anangos. Et Thierry Mungala, le ministre Thierry Mungala, le pornographe Thierry Mungala, le pornographe Thierry Mungala, dites-lui que M. Nitou lui traite toujours de pornographe, parce que c'est la vérité. Il est où ce fameux téléphone? Combien de fois je vais le dire? Ça, ce sont des téléphones que je garde à la maison. Parce qu'il y a tellement des informations dedans, je les garde dans la maison, ces téléphones-là. Ces informations, je les garde précieusement. Dans un coin tranquille. Mais le pornographe, Thierry Mungala. Je dis bien le pornographe, Thierry Mungala. Et j'ai ces vidéos complètement à poil. J'ai ces photos complètement nues. Le pornographe, Thierry Mungala. Par rapport à mon éducation, je ne pourrais pas publier ça dans les réseaux sociaux. Mais je garde ça précieusement. Je garde toutes ces informations-là précieusement. Je les garde là. Il y a d'autres informations, je les garde.
Le pornographe Thierry Moumana, qui me fait des éloges, que Denis Christelle l'a mérité, son poste de ministre, il a fait des œuvres, comment prospectif d'avenir, mais c'est un chaos ce truc-là. C'était seulement pour voler l'argent des Congolais. Mais les étudiants qu'il avait envoyés à l'étranger, d'abord, lui est qui, lui? Pour envoyer des étudiants à l'étranger. Il est qui, lui? Preuve en est que c'est d'autres étudiants qui souffrent à l'extérieur. Ce sont les étudiants envoyés par Kiki. Mais ces étudiants ont été recrutés sur quel critère? Ce n'était pas par ce fameux critère du régionalisme. Ce n'est pas par ce fameux critère de l'ethnicisme. Ce n'est pas parce qu'ils sont mochis que ces étudiants ont été recrutés par Kiki, envoyés à l'étranger. Il y a certains étudiants qui souffrent, qui pleurent, mais c'est des étudiants qui ont été envoyés par Kiki, qui réclament aussi leur bourse. Thierry Moumana, à la SNPC, ce fameux Kiki que toi tu défends là, qui n'avait pas détourné des milliards, Kiki n'est pas impliqué, mais les dossiers, Maître Bourdon a parlé. Thierry Moumana, je vais te le rappeler. Maître Bourdon a parlé, mais ça c'est sur l'aspect de la France. Ce qui concerne le dossier de la France. Mais aux États-Unis aussi. Là-bas aussi c'est du trucage. Est-ce que là-bas aussi aux États-Unis? Là-bas aussi c'est du mensonge. La justice américaine qui poursuit jusqu'à aujourd'hui Kiki Nguesso, c'est pour ça qu'il ne va plus aux États-Unis. Donc là-bas aussi c'est du montage. Là-bas aussi c'est du montage aux États-Unis. Mais Thierry Moungala, t'as un sérieux problème. Toi le pornographe Thierry Moungala, ta famille vit ici à Meaux. Toi, tu as oublié ton passé, toi. D'alcoolo, tu es un alcoolique. Tu es un alcoolique. Tu as oublié ton passé d'alcoolo, toi. Mais toi, qu'est-ce que tu faisais ici en France, toi, Thierry Moungala? Tu faisais quoi, toi? Tes études ne sont pas de juriste ou d'avocat, mais tu avais fini comment? Tu passes ton temps à Linganda, Thierry Moungala. Et tu avais trouvé ton fiant. C'était vous autres là, ici, là. Les gens de l'UPADES. Vous avez trahi l'UPADES, tu avais trahi aussi Milongo. Mais viens nous parler de l'empoisonnement de Milongo, déjà Thierry Moungala. Parlons de l'empoisonnement de Milongo. Il avait été empoisonné comment, André Milongo? Qui avait offert des chaussettes à André Milongo? Ces chaussettes où il y avait du poison. Que Sassou Nguesso avait remis pour qu'on aille donner cadeau. Où Sassou Nguesso t'avait remis pour que tu ailles donner cadeau à André Milongo. Ces chaussettes-là ont imbibé le poison. Viens nous parler d'abord de l'empoisonnement d'André Milongo. Va appeler Madame Milongo aussi. Laurentine, vous deux là, venez nous parler un peu de la mort d'André Milongo. Le peuple veut savoir, le peuple veut connaître. Parle-nous un peu bien de l'empoisonnement d'André Milongo. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. On sait bien qu'André Milongo avait été empoisonné. André Milongo avait été empoisonné. Mais empoisonné par qui? Tu passais tout ton temps ici à boire dans Linganda, toi. Quel surnom on t'avait donné, toi, en tant que alcoolo? Quel surnom on t'avait donné, toi, Thierry Moungala, ici en France? Tu critiquais Sassou, tu es arrivé là-bas, on t'avait donné une mission, tu as été proche de Milongo, mais la suite de Milongo, nous la connaissons. Donc, dites-moi. Je vais citer. Donc, André Milongo, vous croyez qu'il était mort d'une mort naturelle? Bernard Colella. Ça dit que c'est pour ça que ceux qui partent chez Sassou, je me dis, mais vous avez un sérieux problème. Sassou, ils sont empoisonnés de vos parents, mais vous allez quand même travailler avec Sassou. Vous êtes là-bas. Donc Bernard Colella, c'est aussi une mort naturelle. Orson Sikonga. Katan. Bon nombre de tout ce monde-là. Donc, Baboka va te Koufa. Ça suit à Koufa. Et Thierry Moungala, toi, tu viens faire des éloges pour Kiki, qui est impliqué dans pas mal de choses. Mais moi, je l'avais dit depuis longtemps, les vidéos sont là. Quand Kiki avait disparu, j'avais dit cela, j'avais dit que Kiki a disparu pour réapparaître un jour à un poste ministériel. Moi, je l'avais dit un jour. Les vidéos sont là. J'avais dit, Kiki a disparu pour pouvoir endormir le peuple. Mais le jour où il va réapparaître, c'est pour occuper un poste ministériel. Les vidéos sont là. Moi, je l'avais dit parce que je reçois les bonnes informations.
Et quelqu'un comme ça qu'on nomme, on met en poste encore ministre de la coopération, mais on sait bien que c'est pour faire la promotion de lui-même, Christelle. Et il va donner de l'argent. Je le dis déjà, pourquoi peuple Benzabiao, pourquoi Moïse Bango, qui va distribuer de l'argent au Congo-Brazzaville pour son image, pourquoi peuple Zoliandi. Et à l'extérieur, il va corrompre tout ce monde-là. En tant que ministre de la coopération, c'est lui qui va voyager. Donc il y aura des voyages, Sassou ne va plus partir. C'est lui qui va partir, qui va aller représenter Sassou Nguesso à l'extérieur. Je dis bien, je précise. Il y aura d'autres voyages, ça sera plus Sassou qui va voyager, mais c'est le ministre de la coopération qui va voyager, qui va aller représenter Sassou Nguesso à l'extérieur. Donc, étant ministre de la coopération, il va avoir le temps de baliser le terrain. De baliser le terrain. Et au moment venu, vu qu'au Congo, il aura déjà distribué de l'argent, le peuple a Titi. Et à l'extérieur, les Américains ne diront rien, les Français ne diront rien, les Britanniques ne diront rien, les Italiens ne diront rien, les Belges ne diront rien. Et ça serait difficile pour nous. Il est encore jeune. Je l'avais dit une fois. Je vais rechercher les vidéos. Même si cela me fait énormément mal, oui, je le mets à Dieu. C'est rien. Que les vidéos, ma chaîne YouTube avait été sabotée. C'est pas grave. Je retrouverai certaines vidéos. Des autres vidéos sont dans la carte mémoire. Donc, je retrouverai petit à petit, je ressortirai certaines des vidéos. Mais vous allez l'entendre. Il y a une vidéo, j'avais dit. Il y a longtemps de cela, j'avais dit ceci. Aujourd'hui, nous sommes en train de combattre Sassou Nguesso. Et demain, après demain, si c'est Kiki, ça serait difficile pour nous. Parce qu'il est encore jeune. La vidéo là, c'était en 2017, j'avais dit ça. Et on se trouvait dans une salle. J'essaierai de retrouver cette vidéo-là. Quand j'avais dit ça, c'est en 2017, en 2018. J'avais dit qu'aujourd'hui, nous sommes en train de combattre Sassou Nguesso. Si nous ne faisons pas attention, demain après demain, ça sera Kiki. Et quand ça sera Kiki, ça sera difficile pour nous. Parce que Kiki est encore jeune. Il est encore jeune, ça sera difficile pour nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de combattre le père. Donc demain après demain, ça serait quoi? Nous allons encore combattre le fils. C'est ce que j'avais dit. Par la grâce de Dieu, j'essaierai de retrouver ces vidéos-là. J'essaie de fouiller de gauche à droite. Mais la vidéo-là, elle était bien sur ma chaîne YouTube. Donc, au passage, je rappelle, chers compatriotes, parce que bon nombre de personnes me suivaient sûrement sur ma chaîne YouTube. Donc, vous avez été nombreux à être blessés, attristés, suite à ce sabotage-là, venu de la part de quelqu'un que je connais. Je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Et lui-même, il sait que je le sais que c'est lui. Mais moi, comme je suis quelqu'un qui parle avec des preuves, pour l'instant, c'est pas grave. Mais la personne sait que je le connais. Et lui-même, il sait que je le connais. Et il doit me suivre même actuellement. Il doit me suivre actuellement. Je sais qui c'est. Mais c'est pas grave. Vous avez été nombreux à avoir été tristes par rapport au fait que vous n'avez pas vu les vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai créé encore une nouvelle chaîne YouTube. Que j'essaie de mettre des vidéos de temps en temps. Pour ceux qui ne veulent pas s'abonner sur ma. Qui ne veulent pas rester sur Facebook, vous pouvez vous abonner sur ma nouvelle chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. C'est Nitou Roland Lévy, Nitou officiel. Nitou Roland Lévy, Nitou officiel. Vous allez trouver, si vous tapez, vous allez trouver et vous pouvez vous abonner. Voilà, chers compatriotes, ce que je voulais dire par rapport à cela. Donc, abonnez-vous sur la nouvelle chaîne YouTube, parce que vous êtes nombreux à me suivre sur YouTube. Donc, voilà la nouvelle chaîne YouTube. J'essaie de mettre des vidéos petit à petit, dès que j'ai le temps. C'est pas grave. Ma Katsinga, ma beau côté, on remet tout à Dieu. Mais tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Et tout se paye ici-bas. C'est pour ça que je le dis toujours. Lisez bien mes publications que je partage de temps en temps. Lisez bien certaines publications. Je m'adresse à eux parce que je ne leur ai rien fait. Mais de la haine, de la méchanceté, ils s'attaquent à moi et ils disent des mensonges sur moi. Or que moi, je m'attaque à Sassou et à son noyau. Ce n'est que la vérité. Mais depuis des années, depuis longtemps, les gens s'acharnent sur moi, disent des méchancetés sur moi, disent des mensonges sur moi depuis des années. Et j'en ai des preuves. Et des preuves, j'en ai. Alors, chers compatriotes, peuple congolais, voilà ce que je voulais dire par rapport à ce jour d'aujourd'hui. Donc, je répète encore pour ce que j'avais dit la dernière fois. On avait lancé
pour ne pas dire que j'avais lancé. L'idée était venue comme ça, au cours d'une vidéo, pour venir pour soutenir nos frères et sœurs qui sont au Sénégal, qui sont en totale difficulté. Nos frères et sœurs qui sont au Sénégal, qui sont en totale difficulté, des étudiants et des étudiantes congolaises qui sont au Sénégal, qui souffrent énormément. Ces enfants-là ne demandent pas grand-chose si on peut leur aider. Et il y en a ceux qui veulent même repartir au pays. Ça fait mal d'entendre que ce jeune-là me dise, par exemple, « Ah, grand frère, on préfère rentrer au pays. Vaut mieux aller mourir au pays que de mourir au Sénégal. Au moins, pour aller mourir chez nous, dans notre pays, que de mourir au Sénégal. » Ça, ça fait mal d'entendre ça. Donc, on avait lancé l'opération 5 euros. Pour ne pas dire que j'avais lancé. Le jeu est tellement haïssable. J'ai dit, on avait lancé. Pourquoi on avait lancé? Parce qu'on est ensemble. Parce que quand on a une vidéo, il y a des gens qui ont une vidéo. Donc, de cette opération-là, puisque on est nombreux à participer, on est nombreux à cotiser à cette opération-là. Donc, ce que nous avons lancé, l'opération 5 euros. Donc, le lien de PayPal, je l'avais partagé. Le lien de PayPal figure sur mes trois pages Facebook. Roland Lévy-Nitou, Nitou l'Indigné, Nitou Kingo. Ou Kingo Nitou. Si vous allez sur ces trois pages Facebook, vous allez voir le lien PayPal. Cotisant opération 5 euros pour souvenir aux besoins de nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir au Sénégal. Opération 5 euros. 5 euros, chers compatriotes. C'est vrai que c'est de l'argent, mais pour faire simple, 5 euros, c'est rien. Opération 5 euros. 5 euros pour soutenir nos frères et sœurs qui sont au Sénégal. Opération 5 euros. Quand nous allons cotiser 5 euros avec les autres, nous allons rassembler cet argent et nous allons publier cela aussi. Nous allons dire cela aussi publiquement. Voilà, nous avons eu tant. Et de là, nous allons faire un Western Union et nous allons montrer aussi le papier. Voilà le papier du transfert, l'argent qui a été envoyé. Pour que les choses soient claires. C'est aussi ça, chers compatriotes. Merci à ceux qui ont déjà eu à cotiser. Cotiser encore, c'est jusqu'à la fin du mois, début du mois de juin. Nous allons clôturer tout ça et nous allons rassembler l'argent. Nous allons donner le montant de ce que nous allons récolter et nous allons faire un transfert au Sénégal pour aider nos enfants qui sont en train de souffrir au Sénégal. Opération 5 euros, chers compatriotes, opération 5 euros. Donc, si on est peut-être que plus de 150 personnes à cotiser 5 euros, si je calcule bien, si ma mémoire elle est bonne, ça doit nous faire quelque chose de 600 et quelques euros. 650 et quelques euros, 600 et quelques euros, et 600 et quelques euros au moins, nos enfants pourraient vraiment acheter des fournitures scolaires, payer des ordonnances, parce qu'il y en a ceux qui sont malades, payer autre chose. Et pour ceux qui souhaitent vraiment rentrer au Congo, comme ils le disent, ils pourront peut-être rentrer au Congo-Brazzaville. Voilà, chers compatriotes, ce que je voulais dire par rapport à cela. Donc, opération 5 euros, participez s'il vous plaît. C'est pour aider nos frères et sœurs qui sont au Sénégal. Ils sont en totale difficulté. Abonnez-vous à ma nouvelle chaîne YouTube. Comme je venais de le dire, Nitou Roland Lévy, Nitou officiel. Voilà, chers compatriotes, tout ce que je voulais dire. Donc, en tout cas, un grand merci pour la vidéo et à l'élo. Tosukisi Bongo, Nzambaza Nabiso. En tout cas, un grand merci. Donc, côté la vidéo, na katikati la vidéo ou à la fin, côté la vidéo, au début de la vidéo, message on a bimisaki, moi, ma révélation on a salaki, ma kambo on a lobaki. Titre la vidéo, n'est-ce pas, qui Denis Sassou Nguesso, un idiot à Paris. Et pour ceux-là qui ont l'occasion de se promener aux Champs-Élysées, Galerie Lafayette, Place Vendôme, dès aujourd'hui, la délégation et le Kuta, où Denis Sassou Nguesso a ramené plus de 150 personnes à Paris, ils ont déjà commencé à faire des magasins, des boutiques. N'a ça qu'elle. Donc, si vous vous promenez dans ces coins-là, vous allez les rencontrer, vous allez les croiser.
Voilà comment le Congo est géré. Mais quand je vous ai fait voir la vidéo de M. Magufuli, l'ancien président du Tanzanie, vous-même faites la comparaison, vous allez comprendre que Sassou Nguesso n'aime pas le Congo ni le peuple congolais. Honte à toi, Sassou, parce que tu n'es qu'un voleur et un criminel. Voilà ce que je voulais dire. Chers compatriotes, en tout cas, un grand merci. Donc, Babantuya, le Kouilou, Bambo Taben Kouné. Donc, Babantuya, le Kouilou, Bambo Taben Kouna, je salue mes petits de Kam 4, Mpakam Vumvu, Fonchetche, ma petite CC de Dani, je salue les habitants de Pointe Noire. Babantuya, Dolizi, Bambo Taben. Nkaï, Bouansa, Makamana, Madimoukaï, Mouyonzi, Mfouati, Mosenjo, Sibiti, Zanaga, Bambote Ben Kuna. Dans le pool, Mbotezeno. Brazzaville fait partie intégrante de la jeune pool, Mbotezeno. Swanke, Mbote Labino, Makwa, Dongu, Epena, Bunji, Infondo, Owando, Lohondo, Lekana, Obuya, Evo, Oyo, je salue toute l'étendue de la République du Congo. Les Congolais de l'Afrique du Sud, je vous salue. Maroc, les Congolais qui sont au Bénin, Togo, Sénégal, Mali, les Congolais d'Angleterre, Irlande, Belgique, les Congolais de France, les Congolais de Turquie, Grèce, les Congolais des États-Unis, le Nec plus ultra, Cincinnati, César Manfoy, Gervais Birangui, Maman Olga à Los Angeles, Wassemo Mwalimu en Californie, je salue les Congolais de New York, Las Vegas, Miami, Washington DC, je salue les Congolais des États-Unis, les Congolais de Canada, je vous salue, mon frère Bernard Pongui, je te salue, je salue les Congolais d'Italie, Belgique, si j'avais oublié, la Grèce, et autre part, comme avec Irlande aussi, j'avais oublié. Je salue les Congolais partout dans le monde. À vous qui êtes connectés. Ah oui. Les fidèles parmi les fidèles. Il y a une vidéo à Beno. Oesa vidéo à Bino. Toujours fidèle au poste. Un grand merci. Un grand respect à vous. Rodrigue Mawamio, Maman Coco Colette, Emmanuel Manené, ma petite soeur Marlène Loubaki, Maître Valex, le Nec plus ultra, Maman Langoulou, chez nous on dédicace tout le monde, même ceux qui viennent m'insulter, ceux qui viennent dire n'importe quoi, et pas Nabisso, gentil escaca. Marcel, Obangé, Owani Patrick, Maître Malex, toujours fidèle au poste, Maître Malex. Nick, Emmanuel, salut. Elisa, Kinkela. Alain, Kimpo, salut Alain. Maman Coco Colette, Job Tétani, Maître Malex. Job Tétani encore. Alexander, salut. Fred Akuna, salut. Job Tétani déjà. On passe. Salut. Salut, cher cœur. Salut. Gervais Mabundu, salut. On passe. Brice Itemars, salut. Jamil Chikumina, salut. Oui, c'est Zach Mwekasa. Oui, c'est Zach Mwekasa. Je l'aime bien, Zach Mwekasa. Salut, Jamil Chikumina. Salut, Diana Kimbembe. Salut, ça c'est la famille. Salut. Même
bateau oyo ba kangisa ka photo na ba criminel, même bateau ba kangisa ka sa photo na ba criminel, des assassins qui ont violé les gens dans la jeune pour dans leur propre région, qui se font photographier avec des criminels et qui sont fiers, contentes de se faire photographier avec des criminels, des assassins qui ont violé des femmes dans la région de Pou, qui ont tué dans la région de Pou, dans leur propre région. Même vous, on vous salue. Honte à vous. Sans dire le nom. Mais le bon, la zone, toi-même, tu te reconnais. Tu te retrouves. J'étais largement indigné. Toi qui es originaire de la région de Pou, se faire photographier avec un criminel. Qui a eu à assassiner, qui a eu à tuer dans la jeune poule, qui a eu à violer les gens dans la jeune poule, et se faire photographier avec un criminel. J'ai largement été indigné. Mais j'espère que tu as compris le message. C'est vraiment triste et regrettable. On passe. Je ne te dédicace pas, je te laisse passer, comme ça va bien te faire réfléchir. Mais le message est pour toi, sans te citer. Allez-y vous faire photographier avec un criminel qui avait violé une fille, une fillette de 11 ans à Kindamba. Or, toi, tu es de Vinza. Il avait violé une fille de 11 ans à Kindamba et qu'il avait fini par tuer. Donc l'audio que je venais de faire passer ici, cette femme-là vient parler de ce criminel-là. Et que toi, tu t'es fait photographier avec ce criminel-là, un assassin. Mawa, ma petite soeur Marielle Mbaki. Fa, Oumaré, j'avais une Tchikoumina, je poursuis. Je poursuis. Maman Koko Colette. Maman Koko Colette, salut. Job Tétani, le nez plus ultra. Elisa Kinkela. Malika Nanou, ma soeur, Koko Colette. Cœur d'info, en même temps, maman Monique Izinga, pour ne pas que j'oublie. Makila Mabé, maman Angoulou. Ça, ça vient. Job Tétani, je poursuis. Pienard. Parker, salut. Jerry Mabanza, salut. Maître Abdoulaye, salut maître. Maman Koko Colette. Maman Marie-Jeanne Soba, salut maman Marie-Jeanne. Loïc Kretela, salut Loïc Kretela. Job Tétani. Maître Malex, le conseiller juridique, maître Malex. Antoine Mabouba, salut Job Tétani. Toujours Job Tétani, je passe. Anthony Makita, salut. Elenga Igor Obongo, salut. Nous, on salue tout le monde. Chez nous, gentil escaque. Gentil escaque. Gentil escaque. Trémor, salut. Yamilos. Sénégal, oui, oui, Sénégal, Sénégal. Yamilos, depuis le Sénégal. On essaie de faire quelque chose. Nebuleuse. Salut, Nebuleuse. Salut, Sénégal. Ouais, Ségolène Royal. Celle-là, laisse tomber. Nebuleuse, salut. Maître Malex, on continue. Ma petite soeur Marlène Mbaki. Éric Georges. Tout le temps, salut. Éric Georges. On va encore reconnaître ça. Déjà encore. Maître Malex. Emmanuel Maléné. Gervais Mabundu, salut Gervais Mabundu. Alors, ceux qui veulent se faire dédicacer, faites-vous connaître. Javi, salut. Salut, Rech, John Tétani, Gervais Mabundu, salut. Salut, ma Michel. Ma Michel Pondi, salut ma Michel. Chez nous, dans notre éducation, dans notre culture, quand on dit ma, c'est synonyme de respect. Ma Michel, salut. Alors, chers compatriotes, en tout cas, un grand merci. Gervais Mabundu, en tout cas, ceux qui veulent se faire dédicacer, faites-vous connaître parce que, chers compatriotes, il est minuit 40. Alors, en tout cas, un grand merci. Alors, le Sud doit être uni. USK, USK, signez la pétition. C'est pour préserver nos matières premières. C'est pour préserver nos vies. Pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. L'unité du Sud. Nous devons être unis dans le Sud. C'est très important. Signer la pétition, c'est très important. Regardez, je vous ai
donner les nouvelles. La délégation de Sassou. Plus de 150 personnes et en compagnie de ces suites présidentielles. Bah, suite présidentielle, les a Banabassi au Sassou Amemaka. Ces jeunes filles-là. Aujourd'hui, ils ont déjà commencé à faire des achats aux Champs-Élysées, Place Vendôme, Galerie Lafayette. Allez-y, vous allez les croiser là-bas. Les suites parisiennes. Ma petite fille, que ce soit Memaka. Plus de 150 personnes, délégation Mobimba. Et avec ça, vous voulez continuer à vivre avec des gens comme ça. Je suis désolé, chers compatriotes, le Sud doit être uni. Battons-nous pour libérer le Congo. Le Congo, c'est un bien commun. Le Congo n'appartient pas à ces bonobos-là, à ces propagandistes, à Bininga, qui dit que ce c'est leur papa. À Itoua, pour eux, c'est leur papa. À Imbombo, soi-disant un pasteur, mais qui n'est pas un pasteur. Il ne faut pas confondre un pasteur et un pastèque. Lui, c'est un pastèque. Donc, ceux-là sont des propagandistes. Ce ne sont pas nos amis, nos frères. Ce sont nos ennemis. Ils sont contre le peuple. Et ceux qui sont contre le peuple congolais, ceux qui sont contre le Congo, ce sont nos ennemis. Voilà, chers compatriotes, ce que je voulais dire et je termine sur ça. Merci à vous qui êtes connectés. Je vous serai toujours très reconnaissant. Ingeta, Saint Cardinal Emile Bienda sont tout subito. Merci, chers compatriotes. Merci. À très bientôt. Que Dieu vous garde. Que Dieu nous protège. Merci, chers compatriotes. Au revoir.